pas et auquel cas je suis baisé. Après on va juste avancer hein, sinon. Attends d'ailleurs je peux faire cascade maintenant. Je peux faire cascade maintenant. Je peux aller, là non? Cascade ici. Faire cascade là. À quoi bon alors avoir un truc en bas là, un truc en bas là. Je peux pas aller dans l'eau qui est en bas là. Ouais, je crois. Juste pas. Ok. Captops cascade. C'est vrai que j'ai pas mis Captops cascade. Je l'ai mis sur. En vrai, je l'ai pas pris Captops. Ah si, j'ai pris. Je peux même pas la prendre. Je peux même pas prendre cascade Captops. Le Poké Egg, c'est gift des super bonbons. Après, je crois que je l'ai déjà fait. J'avais pas le chat fait à un moment. Oh, Pokéx, c'est quoi? J'ai vu si c'était sur quel run où j'avais fait ça. Sur Rosa, bah, j'avais fait ça, ok. Y'a les kings, one shot. Ah, pas one shot. Petit coup de boule en plus. Ça je le one-shot pas avec mon danseur là. Heureusement que Shadik il tank bien. Hein. Il est assis en ligne. Ah. Phénoménal. Que des Pokémon qui subissent le danseur, c'est magnifique. Ah. C'est moins bien ça. Après je peux faire danse du feu. Ça va. Une anti-confusion. Bah je crois que je peux juste utiliser un total soin et ça me retire de la confusion il me semble. Hein. J'ai la flamèche. Quand même hein. Après même Simcrit il me tue pas avec la flamèche donc ça va. L'XP fois combien ça corde? Je sais pas moi, fois 164 c'est bien. Et comme ça j'XP les autres Pokémon qui sont à côté. Je les envoie genre niveau 70, 60, ouais un peu plus quand même, 75, 80 quasiment. Parce que sinon ça va être FF. Ça va être perdu. Oh, évolution. Mais comment ça? Mais Bmax, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, 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 je suis pas d'accord, c'est quoi cette merde? J'ai pas le droit d'annuler la règle de base dans l'Inslock, c'est que je n'ai pas le droit d'annuler les évolutions. Je n'ai pas le droit, c'est interdit. C'est interdit. Mais Bmax m'a prank? Bmax, c'est trop une merde. Comment ça, il fait évoluer Mewtwo, j'ai le démon. Non mais Bmax c'est trop frère. C'est trop d'être une merde comme ça. Il va évoluer en quoi? Vas-y, il m'a prévu un truc, c'est quoi le prank? Il va évoluer en quoi ce con? Allez. Allez, vas-y, on va regarder. Bien joué Bmax, tu m'as bien prank, bien joué. C'est pas possible. Ah, ça va. Ça va. Mais bon. Ça reste quand même un Pokémon plante, ça me rajoute une faiblesse feu. Ça va. J'espère quand même qu'il a un talent de taré. Hein. Ah, il est assis plante. Ah non, il est plan de combat. Plan de combat, divise le poids du Pokémon par deux. Bon, c'est un peu de la merde. Et surtout, j'ai mis full attaque spé. Ah, c'est de la merde ça. Ah, c'est chiant.
Ah, c'est chiant, hein. Ah ouais. C'est à quoi comme ça de base, Viridium? C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Il y a 90 d'attaque, mais 90 d'attaque normalement. Il a les deux à peu près pareils en vrai, normalement. Donc, ouais, c'est pas ouf, hein. J'ai rien en stab, j'ai pas le CT à combat. Ma seule CT plante, c'est Dansefleur. Et Dansefleur, on sait à quel point ça nous met dans la merde souvent. Ah, je suis pas fan là de ce qui vient de se passer là. Je suis pas fan du tout de ce qui vient de se passer là. Ah, il m'a bien baisé, hein. J'ai Éclatroc, mais c'est pas une attaque combat très forte. On va prendre nos canons à la limite. Ouais, c'est nul, hein. Y'a rien. Y'a rien dans ce Pokémon. Y'a rien dans ce Pokémon. Putain, mon légendaire est à chier. Attends, il va peut-être évoluer encore, c'est vrai. Attends, d'ailleurs, si on pêche, il y avait quoi d'autre dans la zone? Parce que sur 19, il a dit qu'il y avait 3 trucs. Un très bien, un moyen et un truc. Oh! Ça, c'est pas moyen, ça, hein. Il y avait Truxide, c'était aussi très bien, hein. Ah, il a dit? Ok, il y a Truxide et Passe Rouge. Ok, ok. Voilà, comme ça, au moins, on sait. Passe Rouge, le dernier, très bien. C'est à chier. Il m'a tellement prend que j'ai le démon. Mais là, du coup, Ah, tiens, mais encore une fois, très moyenne là. C'est que je prends une attaque vol sur. Sur l'autre là. Sur Viridium. Instant FF. Combat double, je peux pas les faire. Combat double, c'est FF instant aussi. Hein. Il faut vraiment que j'XP. Ok, il faut vraiment que j'arrive à XP des Pokémon, sinon c'est perdu. Mais les codes, je les mets où? Je vois pas où mettre les codes dans le jeu, Maxus. On est là. J'ai déposé lui ici pour XP les autres. Respecte tous les autres, ce sera bien. Regarde, tu limite un Pokémon aussi. Prendre. En vrai, le Farfaduvest, il apprend des attaques, on sait jamais, hein. Avec Contestation, ça peut être vraiment un clutch. Émulation configurée. Ok, c'est moi sauvegarder déjà. Émulation configurée. Débogage. Configurer le jeu. Marquer configurer le jeu. Si on configure le jeu actuel. Ah oui, bien vu. Code de triche. Là, je me suis. Tout ce qui me donne un code de triche. Ah. Code. SP x 64. Appliqué. Ah. SP x 64. Quoi? Il est pas valide. La ligne 1 du code n'est pas valide. Attends, est-ce que je dois les mettre une à une? Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être les codes où je dois mettre ligne par ligne et tout. On va voir. C'est deux par ligne. Attends. J'essaie une par une et on verra si jamais c'est deux ou. La ligne une n'est pas bonne. Ok. Là, si je mets deux. Ça. Là, est-ce que ça marche? Ah, ça marche là, attendez. Laissez-moi voir. Essayez de faire un truc. Voir si jamais l'XP marche là. Là, non, j'ai activé le code. Il faut que j'XP mes autres Pokémon là de toute façon. J'ai pas vu l'XP. Ça allait trop vite. Bon, j'ai pris 400 d'XP. Est-ce qu'il faut que je désactive le multi-XP? Peut-être que je désactive le multi-XP. Faut que ça marche. Gagner tant que ça, hein.
Ça ne marche pas le code, deux par truc ça ne marche pas. Je gagne 1000, ok ça marche pas. Le jeu actuel de triche. J'ai mis deux codes par ligne et ça ne marche pas. Alors que ça m'a validé comme quoi le code était bon. Enfin, il m'a pas demandé en mode tiens le code est censé. Il m'a rien demandé en confirmation. Non, ça devrait marcher là. C'est ça qui est bizarre. Ouais, j'ai vu que j'ai croisé un Yvetal, mais c'est pas le premier, t'en fais pas. Bon, ça, je sais qu'il est là dans cette zone. Sinon, je vais essayer d'utiliser Pokéx, hein. On va voir, hein. Je vais voir, je me donne des super bonbons et voilà, hein. Chier. Ouvrir. Pokémon blanc 2, non. Pokémon. XY. Y'a pas XY là. Ça marche pas là. Y'a que les sauvegardes de Pokémon noir et blanc 2. Y'a pas les sauvegardes de Pokémon XY. Le fichier CX ici? Non, c'est pas ça. Après, le fichier save dans Citra. Okay. Après, il n'y a pas un code possible qui marche là? Parce que là, j'avoue que le code marche pas. Mais est-ce que c'est parce que c'est une ROM bizarre là, ce que t'as mis? Montrer. Donc là, vous avez ça. Là, je fais ouvrir. Imaginons. Là, j'ai mes saves de base, donc c'est ça. Mais c'est pas ça, si. C'est pas ça. Quitter le jeu, attendez. Je sauvegarde déjà. Je fais les deux. Je fais save state, sauvegarde normal. Quitter normal maintenant, ouais. Là, on a ça. Ok, donc là, on est là. Qu'est-ce que j'ai? Je vais me donner juste des super moments, comme ça, au moins, on sera tranquille. Ce sera plus simple. Ouf, Citra. Citra. Je fais ça. Ouvrir l'emplacement de données de sauvegarde. Et là. Ah ouais, mes frères. Tellement loin. Ici. Là, faut que j'aille trouver ça. Fichier ouvrir. Ah, je suis là. J'ouvre. Ok. Et donc là, on est ici. C'est bon, là je suis dans ma sauvegarde. Votre PC, équipe, autre. Je me donne juste des objets divers. C'est pas ça. C'est où les objets? Équipe, autre, SAV. Objet. Les éléments suivants ont été retirés de votre poche d'items. Si vous enregistrez les modifications, les articles ne seront plus dans votre poche. Pourquoi? Pourquoi ça a retiré ça? Après, c'est des items dont on s'en fout un peu, mais bon. Les lettres et tout, on s'en branle un peu, quoi. Là, je me donne, imaginons, là, je fais super bonbon. Super. Super bonbon, j'en ai pas eu un seul. Attends, mais y'a pas de super bonbon? Y'a aucun super bonbon. Ah. Quoi? Y'a le super ball, mais y'a pas de super bonbon? Ah, c'est parce que je suis dans le sac des balls, ok. Attends. C'est là, je dois aller là. Je dois pas aller là, je dois aller ici. Là, je peux me donner un super moment normalement. Non, c'est dans les potions. C'est ici. Les super moments, c'est dans les potions. Là, c'est ça. Et là, je m'en donne 999. On s'en fout, non? On s'en fout. De toute façon, c'est OZEF vu que ça m'évite juste d'XP comme ça. Là, non, je fais enregistrer. Je fais enregistrer SAV. Je fais là, je remplace. Je remplace et c'est bon normalement, là. Vas-y. On va voir, hein. Non, ça devrait marcher. Là, je vais faire. On va le relancer. Et on aura normalement des super moments. Je n'ai pas fait de backup. Hein. J'en ai vraiment rien eu à foutre. Hein. J'ai lancé ça en mode c'est bon, ça a marché. Ça marche, hein. C'est bon.
Ok, parfait. Et donc là, on va les envoyer, on avait dit environ niveau 80, je pense, hein, les Pokémon. Hein. Ce sera bien, je pense. 80, c'est même pas suffisant, mais bon, vas-y. Pied brûleur, attends. Wesh. Pied brûleur, c'est pas mal, mais... En vrai, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir exuviation? C'est dangereux, hein. Enfin, c'est trop dangereux, exuviation, tu sais quoi. On va regarder pied brûleur. Voilà. Moi, c'est surtout le farfa du Vela qui m'intéresse. Choc venant. Un peu de la merde, choc venant, non? Ah, c'est de la merde. Dites-vous que même niveau 80, ils peuvent tous crever. Hein. Niveau 80, ils vont même tous crever, hein, je vais vous le dire. Hein. Et surtout là je prends pas 2V, donc ça veut dire que c'est des Pokémon qui sont qui certes prennent des niveaux, mais qui sont pas vraiment aussi forts que si jamais on les avait XP à la main. Alors deux scrocs, est-ce que tu vas prendre des bons trucs, pitié? Lame d'air, c'est pas mal lame d'air je crois. Ouais en fait c'est moyen. Ouais, c'est mieux que Frimousse avant d'attaque hein, ouais. Plus rien là? Ah non. Flying Press, c'est l'attaque qui fait les deux en même temps. Oh, c'est attaque et combat. Oh, c'est magnifique ça. Ça, c'est magnifique par contre. Premier degré, c'est vraiment bien. Hein. Je vais retirer Rayon Gemme, je pense. Je vais retirer Rayon Gemme. Oh, ça, c'est incroyable. Alors, ça, c'est excellent. Parasport, non. Alors ce Viridium va peut-être faire un truc. Ah non. Aurore, c'est pour soigner ça, non? Ah, c'est un peu de la merde, non? Couchage, non? Enfin, dire que Bmax m'a baisé ma Master Ball sur ça, hein. J'ai vraiment le démon. Hein. Échange ici. Le problème, c'est que lui, il apprend plus rien déjà en fait. Duskrow est gaze. Non, Duskrow est trop gaze. Ok, va falloir le dégager. Il apprend plus rien. C'est mon Duskrow, frère. Allez, allez, Duskrow. Contestation. Aucune attaque à prise. Palmarès 0 sur 20. Allez, changement. De toute façon, c'est mon... Oh, c'est mon Giga Florizard qui est rentré à la place, donc Osef. Donc ça, c'est ma team de base. Voilà, ça, c'est ma team de base. Le problème, c'est que j'ai 3 Pokémon plantes. Wow. 3 Pokémon plantes, 2 Pokémon eau, 1 Pokémon feu. La team est à chier. Je vais laisser les deux en front. Ouais. Ouais. Je pense que... Pas vraiment énormément de choix pour être honnête, là je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et toi une master tant que tu y es, c'est vrai que j'aurais pu me racheter une petite master ball mais bon non, c'est la vie, c'est le jeu. Ah bah j'ai déjà été. De toute façon là ici le Pokémon on a déjà la capture, on s'en fout. Ah, c'est vrai, combat double. Ok là ça va être les combats où ça devient chaud. Mewtwo a évolué en Viridium frère. Bmax m'a hint. Ce chien! Après, il a au moins évolué en Viridium, donc ça va, mais. Il m'a quand même bien, bien trollé. Ouais, le problème, c'est qu'il va taper au hasard, lui. Un maléfice Sylvain sur. Sur lui, allez. Ah, destruction! Après, c'est Négapi, non, ça va, non? Ça va, c'est Négapi, frère. Ça va, ça va. Bon, l'avantage c'est que du coup je one-shot le Krabos. J'espère très fort que Viridium évolue encore. Non, s'il évolue encore c'est de la folie. Mais déjà le fait que le Mewtwo évolue, c'est vraiment de la malveillance max. Oh le méga ectoplasma niveau 74. Oh sa mère quand même hein.
Et Blizzard en plus. Heureusement, c'est pas très efficace sur lui. Lame d'air derrière. Oh non, 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 non. Non, mais le Blizzard qui avance là. Hein. Oh, j'ai été terrifié. Il arrive à one shot l'ectoplasma après. Pas trop cette attaque bizarre là. Il faut un swap ASAP sur ce Flory. Alors je soigne. Et après je fais l'attaque feu et non je le tue avec danse du feu. Il me one shot pas avec Blizzard même s'il me crit je crois. Et touche les deux. Ouais. Ah s'il me crit en fait il me tuait large. Il a fait 140, j'avoue que j'ai fait le ball. Ok attends. Alors la flamme à noir peut-être. Peut-être qu'il est ce gars depuis le début. Il est l'homme inespéré de ce... de cette team. Oh, un petit Dragmara. Ragmar, je crois aussi que c'est Gaze. Je vais m'attraper d'ici. Très complexé. Ici, au moins, comme l'eau est trop, je me dis que je pourrais nager en paix. D'accord. Qui lui a demandé? Personne, je crois. Ah, par contre, Bmax, c'est trop de la folie de me faire ça. Me donner Mewtwo pour le faire évoluer ensuite, c'est de la dinguerie, j'ai trop le démon. Surtout Mega Mewtwo Y, frère. Mega Mewtwo Y avec Psycho. Pff, avec Papillon Dance, mais j'avais Papillon Dance sur Mega Mewtwo Y, frère. Tu te rends compte de ce que c'était? Bon, ça se fait qu'il évolue parce que Bmax est malveillant, c'est tout. C'était tellement win. Mais c'était mais tellement win. Orage adamantin, c'est quoi cette attaque de fou? Ok. Mais oui, Bmax a modifié le jeu pour qu'il évolue en fait, c'est tout. Attaque fée sur poison plante, c'est neutre. Tu pas, jamais. Ah, c'est même pas neutre, c'est pas très efficace parce que c'est du fait contre le poison, c'est vrai. Ça va. Deoxys, hein, je me rappellerai très bien de toi. Hein. J'aurais appuyé B sans aucun scrupule. Ouais, mais bon. C'est la règle du Nuzlocke, on a dit que on subissait le jeu. C'est comme ça. Si jamais le Pokémon évolue, voilà, c'est la vie. Ça fout le démon, mais c'est la vie. On fait sur la caisse là. Ouais. De toute façon, il faut que je fight pour prendre des... de l'XP, des golds, enfin les golds ça va, mais surtout de l'XP et des EV quoi. De toute façon dans Usul, l'évolution à chaque level, cauchemar. Ah par contre, tu peux très bien faire un Pokémon tu vois, un seul. Il y a évolution à tous les niveaux et c'est vraiment le prank. Il y en a un, tu vois, tu dis lui il va évoluer à tous les niveaux, c'est rigolo. Mais si c'est tous les Pokémon, c'est relou. Ah. J'ai fait 0 damage là. Attends mais Florge ça subit pas le feu?
Mais il est fait plante, et alors? Fait plante, non, ça subit le feu. Elle est juste fait. Ah, my bad. Je suis plus rapide qu'elle, non, je peux la tuer. Après, je vais pouvoir me soigner. Ah, merde. Là, je peux la tuer. Si. Et là, hein, j'aurais vu vive griffe. Hein. Le Pokémon attaque avant vous. J'ai refait un métamorphe qui est volé en Voltali, qui est volé en Mewtwo en boucle. La boucle des Mewtwo. Après, ça va. Boucle de Mewtwo, c'est fine. Le petit coup de boule là. C'était quoi ça au 19 du coup? C'était Mewtwo derrière kill. Et Bemax apprend que le Mewtwo est volé en, en Viridium. Oh, le Golgopath, Yon Rush. Au niveau 76 tout de même. Hein. 76 alors qu'on n'est pas encore au 8ème badge. Bon. On m'avait vendu un jeu facile. Là, il commence à se complexifier un peu, là. C'est quoi le cadeau qu'il m'a laissé, le professeur, là? Est-ce que vous savez c'est quoi le professeur Platin? Il m'a laissé quoi comme item? Parce qu'il est censé m'avoir laissé un item. Mais je sais pas de quoi il me parle. J'ai force ou quoi, hein? Force. Je me mets sur un Pokémon quand même. Force. Je vais me mettre sur, sur lui. À la place de. C'est cool, je pourrais lui remettre après. C'est fine. Je lui retire. Je retire Surf en fait, c'est ça le problème. Magnézone est mort, ouais, le Magnézone est mort, ouais. Je range ça. Y a un truc qui me bloque. Attends, mais quoi? Ah, y a un caillou là-haut, putain, je le voyais pas. Je voyais pas, je comprenais pas, je t'en mets. Attends, mais comment ça, je peux pas pousser depuis tout à l'heure? Je deviens ouf. Active le multi-XP. Ah oui, c'est vrai! Putain, c'est vrai, bien vu. Bien vu, bien vu. Je me disais, ouais, t'as raison. Dresseur dans cette zone. J'ai l'impression que là, avec la mine qu'on a fait juste avant, avec cette route là, c'est infini. J'ai l'impression qu'on n'a pas avancé du tout. Magma, c'est juste dragon, non? Magma, roche glace, rien à voir. Ok, rien à voir du tout. Ça va être neutre. J'ai pas eu le plus intact speed, j'ai un peu le seum. Un carton rouge, ok. Carton rouge s'envoie qui? S'envoie Dusk et Danse Pluie. Roche glace, bah c'est parfait. Tu me fais Danse Pluie, je te fais quoi? Surf? Merci. Merci pour ça. Ah. Il est en full strat là. Plus de défense ou de défense P? Il a plus de défense P. Par contre, Pangoléon, c'est. Moi, il y a un surf dessus. C'est neutre quoi. J'ai pas d'attaque électrique. J'ai plus brûlure qu'une attaque neutre. Ouais, en vrai. Zamba, Pangolo, c'est pas censé lui faire non plus trop trop mal. Hein. Oh la casquette qu'il a flinch, magnifique. Il va faire quoi qu'un Ultra Soleil ou Ultra Lune? Ultra Soleil pour Solari. Ultra Lune pour Lunari, c'est vrai. Je sais pas, ça change rien, non? C'est Osef. Ah, il ne pleut plus, j'ai le seum.
légendaire. Il y a Solgaleo ou Lunala. Ouais. Ouais. Vas-y, prends l'une. Prends l'une, Bmax. Prends Ultra Lune, vas-y. On leur fait un sondage dans le chat, hein, comme ça le chat décide. Le chat décide si vous préférez Soleil ou Lune pour le dernier jeu qui aura lieu après l'arc Zedlan. Si on fait la Zedlan, évidemment. Putain, mais Dusko, par contre, ce Hippo Roi là, ça bosse, hein! Exceptionnel ce Hippo Roi! Vous avez le sondage dans le chat, vous pouvez voter dès maintenant pour déterminer sur quel jeu vous voulez qu'on parte. Merde, j'aurais dû mettre. Donc voilà, juste au-dessus du chat, le petit sondage, n'hésitez pas à participer. Et vous êtes ceux qui décideraient du jeu. Moi j'avoue que ça ne change pas grand-chose, donc... Tant que vous faites plaisir. Faites-vous plaisir. Une hyper potion. Ouais, là c'était stalactite. Super. J'ai pas de Pokémon glace. On y va. On a fait le tour par là. À droite, on a déjà été. Il y avait rien. Ah si, on a été là-bas, donc là on a fait le tour ici. Donc là on va devoir passer vers le bas, il y a un dresseur aérien qui me casse les couilles, mais j'ai pas de Pokémon aérien pour le fumer. En bas il y avait un truc ou pas, hein. Il y avait un item je crois. Un item que j'ai pris je crois. Là j'ai pris le pont de tout à l'heure. Et c'est bon, on va enfin pouvoir avancer plus loin que ça. Ah, on parle. Armure est dead, oh Armure il est dead depuis hein. Et Armure, il a pris quelques petites folies, quoi. Je me souviens pas des combats que j'ai perdus. Aufrac les congères. Ah tiens, on va voir l'évolution aussi des... Enfin, l'évolution des deux fouettes, là. Eric, là. Plasmite, j'ai déjà avec le plasmite. Ouais, c'est en a. De toute façon, j'en ai assez. Ouais. Encore sorti, j'en avais racheté. Des max recoups, je vais en racheter un peu. Pas mis au PC le Florizarre. Il est pas mort le Florizarre, non? Attends, j'ai un doute. Mais je crois pas qu'il soit mort le Florizarre, je crois qu'il a tank, hein. Bon, on va faire évoluer les deux, même si normalement les deux vont évoluer en la même chose. Hein. Il y en a vraiment pas de surprise là-dessus. On voit le premier juste. Alors, Rakan, numéro 6. Après, ils peuvent avoir un talent différent. On le voit pas dans l'overlay, ok. Alors, attends. Peut-être le clutch. Pour Rakan numéro 6. Le clutch en question, Shinshidou. Là, ça évolue, hein. Shinshidou, ça évolue. Ça en fait pas. Ça évolue niveau combien, hein? Avec une pierre éclat, bah tiens, ça évolue aussi avec une pierre éclat. Allez, hein. Donc à faire, hein. Attends, on va faire les deux. Et on prendra celui qui a la meilleure. Le meilleur talent à terme. Si jamais il y a un truc avec un bon talent, évidemment. Ah, donc voilà, normal, logique. Alors, on va faire évoluer le premier Rakan numéro 6. Ou alors, c'est possible que ce soit un Pokémon qui évolue en deux trucs différents. Et là, auquel cas,
C'est vrai qu'il pourrait... Après, c'est pas le cas, non, c'est... C'est le truc là qui devient Kikli, Tagnon ou Karaoke là. Oh, pas mal! Lagron, c'est bien! Lagron, c'est très bien! Ça rentre bien dans la team, ça. Après, c'est encore un Pokémon haut, mais bon. C'est très solide. Dommage, c'est pas le méga. C'est vrai que ça aurait été méga Lagron, mon rêve. Hein. Après, le problème, c'est qu'une attaque plante et ciao, bye. C'est bon. C'est fine. Ok, bon. La surprise. Alors, regardons les talents des deux Pokémon. On en a un qui a Moiteur, empêche les combattants de s'auto-détruire, qui a Tempête Verte, Change Éclair, Fatal Foudre et Tranchère, qui a vraiment des très bonnes attaques. Mais c'est plus un Pokémon attaque que attaque SP en réalité, donc c'est un peu chiant. Et lui, il a quoi? Moiteur aussi. Pareil, il a Étincelle, Fatal Foudre, Regard Médusant. Bon. Bon, un peu de la merde. Regardez celui-ci. Regardez celui-ci. De toute façon, je peux lui mettre. Je peux mettre Cascade en vrai. Je peux lui mettre Cascade. Il remplace son Rakatana, je pense. Je pense qu'il remplace mon Kabutops dans ma team. Ils ont tous les deux Moiteur, il y en a un qui a plus en attaque je crois. Non, lui il avait quoi? Lui il avait moins attaque SP plus... Moins attaque SP plus défense SP, donc je vais plutôt le jouer avec de l'attaque. C'est que... Est-ce que j'ai en attaque? J'ai pas... Enfin, j'ai rien. J'ai rien en fait. C'est ça mon problème. L'autre il avait quoi comme stats? Il avait un peu moins d'attaque mais un peu plus d'attaque SP. Ouais. Regard Médusant pour paralyser, Fatal Foudre, Étincelle. Après il a Étincelle donc c'est bien Étincelle. Après je peux la prendre Étincelle. On verra. On verra les CT, on verra le truc après les CT, voir si jamais il y a des trucs bien. Ouais, le jeu physique. Déjà il apprend Cascade donc c'est bien. Une attaque stable déjà. À place de Enchère. Fatal Foot, Fatal Foot c'est de la merde. Pisto point mais c'est un peu nul. En danse du feu. Poison. Ouais. Ça prend pas étincelle. Antique, ouais. Je vais jouer après avoir full XP le Pokémon, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de lui mettre les espermons à fond là, et on va voir un peu les attaques qu'il apprend. Voilà. Alors, quelles sont les attaques que tu vas apprendre mon cher Akan? Projection. C'est nul ça non? Oh ça va, projette le Pokémon dans un ennemi et le remplace par un autre. Dans la nature mais au fin au combat. Ouais. Un truc combat donc un truc attaque donc c'est toujours bien. La tempête verte ça réduit énormément mon attaque SP. C'est chiant ça. Ça va être en chair. Ah non. Dracorage, ouais c'est 42 dégâts donc non. Un peu dommage. Une attaque physique, pitié, séisme. Célébration, ça fait quoi ça? Vous souhaite plein de bonnes choses pour cet événement spécial. Ah ouais, super. Ah franchement, je suis content là. Là, il apprend plus rien, je crois. Je regardais dans... Ah, oh, Croupi, attends. Oh, Croupi, ça peut toujours être utile à la limite. C'est pas ouf, mais ça peut toujours être utile. Quoique, j'ai déjà Cascade. En fait, tant que j'ai déjà Cascade, c'est pas dingue. Vu que j'ai déjà Cascade qui est une attaque physique et vu que mon Pokémon a beaucoup plus d'attaques physiques que d'attaques SP, c'est vraiment pas ouf. J'arrive à bouger les deux là. Ouais, les deux c'est de la merde. Thank you.
Alors. Je vais voir un peu aussi les objets que je peux leur donner. Qu'est-ce que je peux donner comme objet à mes Pokémon? Je vais faire. Donc lui, si je peux lui mettre une plaque flamme, c'est bien. Voilà, très bien. Plaque flamme sur lui, c'est très bien. Sonoton, il a quoi déjà comme capacité? Il a force et surf. Alors lui, c'est un truc beaucoup plus physique, je crois. Quoique, je vais le jouer en mode un peu des deux, en fait. J'ai surf qui augmente la défense P et l'attaque P. La vitesse, ce qui est bien pour le surf. Mais en vrai de vrai, c'est pas ouf non plus. Ah bon. Pas d'objet de dingue à leur donner, là, pour l'instant. Pas une plaque normale, juste. Capacité de type combat, voilà, au pire. Hein. Au pire, pour son flying press, ce sera très bien. Lui, plaque haut. Hein. Si j'ai une plaque haut, c'est bien. Plaque haut. Ok, j'ai un ensemble vague. C'est parfait, j'ai deux attaques haut sur deux scrolls, donc tant mieux. Lui, ça va être un peu pareil, hein, j'imagine. Un truc qui augmente les attaques physiques, en vrai. Son attaque et son attaque spé. Quoi? Ah, c'est à Pikachu, merde. Randomus, comment les attaques physiques? Allez. Qui ne l'a quoi, lui? Je lui ai mis le bandeau pour qu'il tanque, je crois. Enfin, je lui ai mis le bandeau pour qu'il ne se fasse pas un one shot. Okay. Parce que sur une attaque insecte, ça peut être bizarre. Très bien, notre équipe est carrée. On y va. On vient d'arriver dans la ville. Bon, Blagon, c'est fine. C'est mieux qu'Abutops, assez largement. Mais là, j'avoue que j'ai une équipe. Hein. C'est double type. Plante, eau, et un petit Pokémon feu qui s'est perdu dans le tas. Mais je reste sur les types de base. Hein. Alors, il est où la reine? Le mec de la reine. Pas de chance, ce champion est absent. Il m'a dit qu'il a le bois des dalles. Il va falloir que tu partes à sa recherche. Ok, on va pouvoir capturer un Pokémon dans le bois des dalles aussi. Quoi dans les maisons? Y a pas une maison qui me donne des trucs bien là? Ah, les maisons ici elles sont stylées quand même. Hein. Ils se régalent les gens ici. Hein. Après le problème c'est que. Il fait froid quoi. Sauf d'être dans un endroit où il caille sa mère. Les Canadiens, je sais pas comment vous faites. Hein. Cauchemar hein, de vivre au Canada. Hein. Moins 30 degrés, t'es là. J'ai envie de canner. Bastiodon contre Floravol. Non. Déjà, j'ai pas de Bastiodon. Non, je crois que j'ai un fossile, non? J'ai pas un Pokémon que je peux avoir avec un fossile. Il me semble que j'en avais ou bien. C'est les flottes qui ont évolué en lagon, ouais. C'est les flottes qui ont évolué en lagon. Un petit peu avec le BG et le Goldcard Junior, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est... Ça a son côté très positif. Est-ce que j'ai déjà fait un fossile dôme? Quand j'étais chez la famille à mon ex à Toronto et qu'elle dormait la fenêtre ouverte à moins 25 degrés. Comment ça? Comment ça, fenêtre ouverte à moins 25 degrés? La meuf voulait juste pas que tu restes là en fait. C'était un message caché pour te faire dégager, hein, je te le dis. Hein. Moi je te le dis, hein. Oh, je peux là. Mon chéri peut apprendre certaines capacités ultimes. OMG, l'attaque ultime. Vas-y. J'en ai deux qui peuvent l'apprendre. Quoi comme attaque déjà qui veut me faire apprendre? Le lien qui tue un Spokane n'est pas assez fort, quoi? Oh bon, alors à la gonne, c'est encore moins fort. Hein. FF. Quoi? Mais. Pourquoi lui veut l'apprendre? C'est ma gueule ou quoi? Ouais, le problème c'est qu'après t'as un tour de repos et c'est une attaque spé, donc c'est pas ouf. Par contre sur Florizarre c'est peut-être mieux que... Attends mais comment ça lui veut bien l'apprendre et pas l'autre? Tu te fous de ma gueule, Shadit! J'ai trop le seum. J'ai fait quoi, je regardais pas. Tu veux pas apprendre l'attaque fusion parce qu'apparemment on n'est pas assez proche. En attaque spéciale. Et il te faut le dire à un moment, ouais, clairement. Ok, bois 20. Ok, route numéro 20, bois du dédale. J'ai pas un petit miel qui traîne là?
J'ai pas de miel, je crois, qui traîne. Sinon, j'aurais pu l'utiliser. Ah non. Tant pis, hein. On y va, hein. Vas-y, go. Je vais reset le Pokélink et après, on va pouvoir capturer un Pokémon. Voilà, ça va être mis à jour, là. Ouais. C'est mis à jour, t'inquiète. Un seul Pokémon qui reste. Allez, affiche-moi un Pokémon, je t'en supplie. Ouais, allô ? C'est quoi le talent des dragons ? C'est moiteur, il empêche les adversaires d'exploser. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Non, il veut pas, hein. Il veut plus m'afficher les Pokémon, le jeu, là. Oh. Ah. Ah, la team. Ça finira bien par se mettre un jour. Ok, c'est bon, ça s'est mis. Très bien. Allez, 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 un Pokémon, petit. Oh, attends, attends, alors peut-être. Gachacroc. Gachacroc, je t'ai vu. Ok, ok. Ok, ça part de là, la team. Ok, faut tuer les 4. Après, le problème, c'est comment je vais le capturer, sachant que je peux pas l'affaiblir. Les gars, Karchakroc, c'est Rosa aussi. Ah merde, si c'est Rosa, par contre, je crois que j'ai pas la Karchakroc dite là. Après, c'est quand même bien, hein. Quoi comme thème sur lui? Il a des restes? Oui, il a des restes. Les pitières. C'est peut-être un Skelenox. Karchakroc se cache sous l'eau. D'accord, il a plongé. Tout est totalement logique ici. J'ai peur de pas réussir à le capturer. Karchakroc prend la place de qui? Est-ce qu'il prend la place d'Hipporoi? Je pense que oui, mais bon. Même de Aflamanor. Après, Aflamanor, c'est un type que j'ai pas dans ma dans l'Azuma Team, c'est bien. Et en plus, il a vraiment un setup qui fait qu'il peut ajouter le type plante à un Pokémon et ensuite faire une attaque feu. OMG ? OMG ? Il rentre direct ? Non ! Le faux espoir ! J'ai trop le seum. Ouais, je peux pas le viser. Ouais, je tape dans le vent, on s'en fout, hein, la paresse. On va voir un Gluto vs Crêpe Salée. OMG, envoyez le lien. Si jamais il y a Gluto Crêpe Salée, les gars, je vais voir le match. Hein. Envoyez le lien, je spec en speed et voilà quoi. C'est sur un jour le tournoi ou pas? Parce que je sais qu'il y a un tournoi, je crois que c'est le Carabanger. Je crois que c'est. C'est aujourd'hui ou. Ouais, c'est aujourd'hui. Hein. Je sais pas si c'est sur un jour ou deux. Ah, tout de suite. Ah, il y a le temps alors, ok. T'as le droit de cast, ça va. Si je regarde un match en speed, c'est fine, ils vont rien me dire. Hein. J'espère. Hein. La team, je crois qu'il ne rentrera jamais. J'ai eu un faux espoir sur la première balle. À moins que je fasse une capture critique. La Master Ball. Non, par contre, c'est trop de la folie de faire ça. Hein. Mettre un Mewtwo que je Master Ball pour qu'il évolue après. J'ai juste jeté ma Master Ball dans le vent. J'ai le démon. Une Chrono Ball. Je sais pas si j'ai une Chrono Ball. Ah, j'en ai une, vas-y. Ça fait assez de tours quand même déjà. Ça fait déjà une dizaine, c'est bon. Oh,
ça a tremblé, c'est capturé. C'est bon, ça a tremblé en haut dessus, c'est capturé, GG. Quoi ? Quoi ? Je vais me le faire bait ! J'ai cru que c'était capture critique ! Oh, le bait de fou ! Oh, le bait de taré ! En vrai, je crois que les Pokémon faits, c'est par rapport à leur stat, c'est pas par rapport à leur niveau. Attends. Ah, c'est peut-être par rapport à leur niveau. Attends, mais je te jure que normalement, capture critique, c'est capture, hein. C'est capture direct, hein. C'était critique, mais c'est pas passé. Mais quoi ? Ça peut arriver, capture critique, qui ne passe pas ? Je ne peux y croire. Allez, rentre. Putain, il faut pas rentrer. J'ai le seum. J'ai le seum, pitié. Donnez-moi ce cachacro que j'en ai besoin. Mais en vrai, de vrai, est-ce que Viridium... Enfin, est-ce que cachacro ne passe pas Viridium? C'est réel, j'ai 3 Pokémon plantes là dans la team. Oh, wesh. J'ai passé sur A, vas-y, j'appuie sur A. C'était Hermulus tous les jours. C'est vrai qu'Hermulus évolue vite au moins. C'est l'avantage. Allez les gars, ça va le faire. Toujours pas de capture critique. Pas une seule fois il tremble. Le poirier, je vais me casser la gueule, fin du live. Pas de ligue à l'horizon, FF. Un meilleur moment, il va faire lutte. Après, la question c'est est-ce qu'il fait lutte avant que. Avant que je termine mes balls ou après? Parce que ce serait problématique sinon. Faire ça en speed, hein. C'est bon, il m'a cassé les couilles. Mais vas-y, il fallait juste que je speed en fait. Vous voulez juste que je speed, c'est bon, allez. Capturer, GG. Une ball en rapide. Et c'est validé. Alors c'est free ever. Free ever. Ok, donc là c'est bon. Ici. Je peux passer en max repousse maintenant, quoique. On va rester là comme ça. En bas, toujours en bas. Hein. Ok. Mewtwo est déjà mort. Non, Mewtwo a évolué, frère. Oh, un flat bébé. Super! La phrase de fou quand même. Hein. Et là, le mec il arrive sur le chat, il dit ouais, putain, il arrivait quoi, Mewtwo? Tu lui dis, Mewtwo a évolué. Le mec dans son cerveau, il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me raconte, le mec? Qu'est-ce qu'il dit, le gros con là? D'accord, tu veux pas finir le jeu aujourd'hui, mais je vais le finir aujourd'hui, hein. On va y arriver, hein. Ah. Ah, Giratina, c'était bien, hein. Ah, Giratina, c'était bien, hein. Putain. C'était le retour du Megarex. Le Megarex qui aurait pu être un classique. Cocotine et Charcos. Charcos, ça se OS. Et Cocotine, je ne sais pas du tout. Cocotine, c'est quoi? Cocotine. C'est un Pokémon de type normal, j'imagine. Normal vol, je dirais. Ah, juste fée. Ok. De type fée. Oh, lumineux canon, magnifique. Ah, pas taper sur le bon Pokémon. Bon. Ils évoluent tous les gros Pokémon légendaires. Non, je crois qu'il a fait évoluer que Mewtwo. Hein. Après, peut-être qu'il en fait évoluer d'autres, j'en sais rien, mais j'espère pas.
qui tape à gauche. Vas-y. C'est crayon gemme sur lui, ça fait vraiment très très mal. Pas le cri de pitié? Ok, ça va. Évidemment. Du coup, la passe en vol passée de Wars à useless, absolument. Enfin, useless, pas vraiment useless non plus, mais bon. Là, t'as combat vol. Il m'en faudra plus que un Dracochoc pour le tuer. Hein. Oh, ça va. Hein. Ça va. Hein. C'est quelqu'un quand même. Hein. Je vous jure que c'est quelqu'un ce Arcane. Hein. Ah. C'est trop le GOAT. Touche le Giratina avec à peine 7 levels d'avance, les gars, c'est pas donné à tout le monde, hein. Pokémon de fou, hein. Aïe. Tuez-le, je vous en conjure, tuez-le. J'ai un problème. Tout va bien, tout va pour le mieux. J'ai troll, mais je pensais pas qu'il allait me tuer. Et je pense qu'il me tuait pas sans le crit. Bon. Je vais ressortir le Karchakrok et lui donner des super moments. T'as tellement troll. En fait, je voulais le tuer, sauf que ils ont pas arrêté de se mettre des dégâts eux-mêmes. Ah, ça fout le démon un peu quand même. Hein. J'ai un peu trollé tout de même, mais. Mais de base, je pensais pas que j'allais me faire arracher comme ça. On a plus de méga du coup dans le team. Si jamais on trouve la méga Karchakrok kit machin là, eh bien ça peut être. Je sais pas si Bema, si tu veux regarder si elle peut être achetée. Parce que j'ai vu que je pouvais acheter la méga ectoplasmite là ou je sais pas quoi. Mais je sais pas si je peux acheter aussi l'autre truc. Bah, j'ai déjà été tout à l'heure, non? Ça, j'ai déjà été ici. La méga cache à croquette là. Il m'envoie des gangs avec des Giratina dans le tas, frère. C'est bon. Hein. Salut maître d'arène. Ah non. Ah non. Allez, augmente un peu tes stats avec la danse du feu, pitié. Pas mal, coup critique, augmente son attaque spé. Pas mal. Quatox, poison, combat. Est-ce que j'ai une attaque vol? Je n'ai pas d'attaque vol. Je n'ai pas d'attaque vraiment efficace. Donc on va rester sur la danse du feu. Marteau point. La combat, ça va, c'est neutre, non? Baisse sa vitesse. Imagine, actuellement mon main, c'est un putain d'Aflamme noir. Bon, avec Viridium quand même, pas déconner, mais. Ça reste quand même pas dingo, hein. Omnu est mort, oui.
Il y a eu beaucoup de morts dans cette run aujourd'hui, malheureusement. À mon grand désarroi. Ah, ça va. Ça va, il a fait plus de 1 en attaque, il fait une attaque speed, hein, compris. Oh, magnifique. Magnifique. Beaucoup de trolls. J'ai fait quelques trolls. J'ai fait quelques trolls aujourd'hui, je l'admets. Mais tout de même, j'ai pas eu le chat. Il faut le dire quand même que des fois, il y a eu un manque de réussite. Il y a quelques Lugisan, mais bon, en même temps, est-ce que qu'est-ce que serait le la run sans quelques Lugisan? Hier, c'était avec Donphan, c'était épique. C'était vraiment pas épique, hein. Ça foutait juste le seum. Hein. C'est quoi ces forêts de cons, là? C'est quoi cette forêt de cons? Salut, toi. Village Pokémon, salut! Oui, c'est bien ça. Tu sais ce que c'est ici, mon petit? C'est l'un des plus beaux secrets de cette planète, le village Pokémon. Les Pokémon qui vivent ici ont échappé à une vie horrible, maltraités par des dresseurs insensibles sans scrupules. Enfin, pas tous. Certains sont trop puissants, ont compris. Ils n'avaient pas leur place dans notre monde, alors ils ont décidé de vivre seuls ici. L'équipe a l'air de bien t'apprécier. Oh, c'est bon, les amis, c'est une personne de confiance. J'ai une nouvelle zone d'ailleurs, hein. Nouvelle zone possible, donc on va pouvoir capturer. Plein de usages de base. Moi, c'est Orup, le champion d'Ofrak les congères. T'es venu ici pour le badge, non? Tout à fait. Je te retrouve à l'arène. Si tu veux passer du temps avec les petits avant, sois pas timide. Ok. On me donne des items, magnifique. C'est quoi dans cette zone là? C'est un village de con là. Ok, je peux capturer. Allez, allez. Ça évolue. Ça évolue. On n'est pas non plus trop déçus. C'est pas dingue, mais c'est pas nul. Bon. Bon. On se rassure quand on peut. On s'est évolué en Libégon. Donc espérons qu'il nous donnera un Pokémon au moins aussi bien. Déjà pour ça il faudrait réussir à le capturer. Déflagration quand même sur le Luranin. Déjà une bonne attaque. Une bonne première attaque. Que soit si dur à capturer que ça. Achète des rapid balls. Je peux pas en acheter, j'ai trouvé aucun endroit où acheter des rapid balls. Sinon, j'aurais évidemment utilisé mes rapid balls. Libégon absentéisme à nouveau le dream. Vraiment pas mon dream, hein. Allez. Ok, nice. Et donc ça, ça va être OEP 36. Il ne reste plus que 3 pseudos dans la file d'attente pour être des potentiels tuteurs, parce que là, je crois que j'aurai besoin de quelques tuteurs, hein, bientôt. Voilà, OEP 36. Eh bien, ça en fait des OEP, hein. Ça en fait beaucoup des OEP, là. Quoi d'autre dans cette zone là? Bon, ouais, un Sonistrel, bon, pas ouf. Et merci à toi Crazy Blue pour tes 5 subs offerts. Je rajoute donc ton nom à la liste, tu seras le 4ème Pokémon que l'on attrapera. Et bien dans cette future run. Dans cette run actuelle quoi, en fait, pas le futur.
Y a pas grand chose de bien ici, hein. Franchement, le vivre nymphe, dépendant de son évolution, ça peut être ok. L'objet. Je nous la team dire qu'après il y a encore le badge. Après il y a encore plein de trucs. Ah. Choco cœur. Il y a d'autres objets là ? Il y en a là. Énorme flamme. Pas besoin d'en compter de nouveaux Pokémon parce que sinon on va être dégoûté. Lui il me bloque le chemin. Ah non, c'est poubelle. Faire surf là-bas. C'est vrai que c'est mon Virizium qui fait surf. Ouais, un super moment! J'en avais pas assez! Bah, Jix, tu fais tout le post-game, il y a moyen que tu t'aimes pas aujourd'hui. Ouais, il y a moyen, on verra. On verra bien de toute façon. Devant la grotte inconnue. Donc là, il faut aller, il y a que les maîtres qui peuvent passer par là. Il y a deux endroits du coup où tu peux passer seulement tes maîtres. C'est marrant. Un petit ronflex qui dort là. C'est trop mieux celui. C'est que j'ai rendu à Pokéflute, j'ai le démon. C'est un endroit pour capturer Mewtwo la grotte. Comment ça pour capturer Mewtwo? Tu peux avoir Mewtwo dans Pokémon X? Dans Pokémon X? Ah oui, bah du coup avec le méga Mewtwo, ouais j'imagine. Attends, mais t'as combien de légendaires sur Pokémon X en vrai? T'en as pas mal, non? Je suis un peu perdu là, il y a peut-être des objets là. Ah mais la zone est... Comme là je me retrouve là encore. Oh frère c'est bon, ça m'a saoulé. Il y a aussi les trois oiseaux, il y a les trois oiseaux lèges. Genre les articodins, sulfura et tout. Incroyable. Après du coup c'est pour ça que c'est un très bon jeu hein. Ils ont fait ça pour les bandeurs de la première génération, grand respect à eux. Grand respect à eux. Faut que je change mon Florizarp. Si j'en ai parlé hier des piafs, c'est vrai. Dans les grottes bizarres là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire évoluer le vivant nymphe. Déjà, il a cogné au bidon. Cogné au bidon, déjà, ça peut être pas mal. Hein. Cogné au bidon, j'aime bien. On va lui donner un super bon direct. Comme ça, il évolue. Alors, OEP. Point de feu. Oh, point de feu, j'aime bien. Point de feu, j'aime bien. Surtout avec cogné au bidon. Après, j'aurais dû retirer des flagrations, mais bon, c'est pas grave. Déjà, on verra s'il devient un Pokémon physique. Ok. Et là, Mona Flémite, le dream. Le rêve existe. Cogno bidon Mona Flémite. Pa pa pa. Bref, il va changer sa nature après. En évoluant, il change son talent et sa nature. Alors peut-être. Ça va. Kyriel, ça va. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Kyriel. Coloforce. Cogno bidon. Ça arrive. Ça arrive fort, rester branché. Non, les capacités volent aussi l'objet tenu par la cible. Ok, il a moins en attaque quand même. Ah, il a gardé sa nature de merde. Putain, j'ai le seum. Après, ça reste correct. Ok, et on va voir le Karchakrok. Son talent aussi au Karchakrok.
Cache à croc qui a tête de roc. Tête de roc, c'est quoi? C'est... Il prend pas de dégâts de recul, non? Oh. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Bon, il est moins attaqué, plus défense, qui est une nature qui est décente. Il a reste. C'est vrai qu'il a des restes sur lui. En attendant, je vais mettre ça à place de... Il pourra pour le moment. Même si je pense que mon Iporoa restera quand même dans la game. Que je... J'XP les deux Pokémon là pour voir un peu. Je les envoie niveau 80. Pour voir ce qu'ils apprennent comme attaque. Déjà. Lame de roc magnifique. Lame de roc magnifique déjà. À la place de synthèse. Bon, à la place de regard touchant, on s'en fout. Ok, lame de roc j'aime bien. Un séisme là, c'est mon rêve. Hein. Repli Osef. Presse, ça je crois que c'est pas ouf. Plus il reste d'HP, plus l'attaque est puissante. Mais c'est une attaque normale, ouais c'est pas ouf. Râle mal c'est quoi ça? Pousse un rugissement qui intimide l'ennemi et diminue son attaque et attaque spéciale. Wouf, wouf. Vaut mieux que Chocti hein. Et c'est l'attaque spé, l'attaque et l'attaque spé d'un Pokémon, c'est vraiment bien. Halloween, qu'est-ce que c'est cette merde? Ajoute le type spectre à ses types actuels, ouais non pas ouf. Ok, il apprend plus rien. D'accord, ouais qu'est-ce qu'il y a Chap? Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Une partie du PSG, mercredi 21h, vas-y. Vas-y, je suis in. Je suis là. Faire touchant, ça fait quoi ça? C'est de la merde. Octazooka, c'est de la merde. De toute façon, je vais apprendre vol et force au Pokémon. Oh, explose force, attends. La combat. Aussi baisser l'attaque. Ah, mais c'est une attaque spé. Mais putain, comment c'est une attaque spé? Éclair-croix. Ah, c'est pas mal ça par contre. Attaque physique. Attaque physique électrique, j'aime bien. Moi j'aime bien. Vous êtes invité le chat. Ah oui, t'invites le chat toi, t'es chaud. Je pense ma team c'est ça hein. En vrai, je pense que ma team c'est ça. Hein. Ou je vais en donner un autre. Je vais lui donner un truc qui augmente les attaques physiques, je pense. J'ai pas ça. J'ai ça pour lame de roc aussi, la plaque roc pour lame de roc. J'avais ça sur quoi? Capacité super efficace. Je l'ai sur quelqu'un. Augmente l'attaque. Ah non. Toi t'as 600, 800 bonbons par contre. Ah c'est parce que sinon c'est trop long d'XP. C'est pas de la triche, t'inquiète. C'est qu'il faudrait que je mette surf et cascade sur quelqu'un. Lui, il a déjà cascade là-bas. J'ai déjà surf sur un Pokémon. Donc au final, Osef. Au final, ce Iporoa est pas très utile pour l'instant. Ok. Je triche. C'est pas de la triche. C'est de l'optimisation. Okay. Et toi, je te donne un objet. Je vais te donner un truc qui augmente les dégâts normaux là. Mouchoir soi. Je vais lui mettre force et vol. Guerrier Aigle ne peut pas apprendre vol. Bah oui, tout est logique. Tout est logique. Ça, je vais retirer déflagration. Ok. Allez, 8ème arène, on y va.
En vrai, ça va pas être simple. Au niveau 80, sachant que les dresseurs vont être niveau 76, 77 environ. En vrai, ça peut être chaud. 8ème badge. Let's go. C'est quoi là? Les gens m'appellent la reine d'argent. Qui a demandé? Personne. Draco feu, j'ai surf. Ah, mais j'ai un Pokémon plante. Méga Draco feu, Pokémon feu vol. Contre mon Viridium qui est un Pokémon plante combat. On va swap. On va swap. La team. Changement de Pokémon instantané. Il fait 120 de dégâts, c'est-à-dire qu'il peut pas me tuer là-dessus. Si je fais cascade, ça devrait le faire. Ok, il me fait 120, je retombe à 27 HP sous Simcrit. Ok, 24 c'est bon. Là je lui fais cascade, je lui mets des dégâts de fou. Là c'est pas fort que je me heal. Oh, je one shot, eh oui. Eh oui, la gros et le goat. J'ai bien fait le swap, sinon mon Viridium était instantanément mort. Delcati, ça va. Parfois il faut savoir se raviser. Fort coton, ça fait quoi? Ça me baisse quoi ma vitesse? Baisse beaucoup. De toute façon mon Pokémon est déjà lent donc c'est un peu osef. Et voltige raté, merci. Cascade dehors. Un Pokémon de plante en face de moi, je swap instant. Hein. Ah, j'ai vraiment pas beaucoup de niveau d'avance hein, par rapport à eux. Très follet, niveau 77, sa mère. Il me retire mon talent, mais mon talent c'est juste moiteur. Donc à moins qu'il ait prévu de faire explosion après. Oh, je peux lui attirer. Ah, ok, je sais ce que je vais faire. Je vais lui ajouter le type plante. Je lui ajoute le type plante et c'est bon. Et comme ça, hop les. Et là, une petite attaque feu. Au revoir, monsieur. Eh oui. Le magnifique Sylvain. Salut mon Pokéa. Le Goat. À quoi te sert ton à quoi te sert ta garde mystique si je peux t'ajouter un type? C'est ça la question. Par contre frère, c'est bon, ouais. C'est bon frère. Pefolet, Latios, ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bon. Fatigué aussi. Dragon Psy. J'ai rien, j'ai pas une attaque. J'ai pas une attaque acier. Une attaque ténèbres, une attaque dragon. J'ai rien, wesh. Sur le psycho de faut que je joue sur le psycho de comment dire de Celebi. Buldo, merci, sachant qu'il y a une préscience qui va tomber bientôt. Ah merde, mais il est psy. Ah mais je suis con, il est dragon psy. Ok, la préscience va tomber, ça me tue pas. C'est guéri avec le Goat. Hein. Il a incendie, donc il est super efficace sur lui. Et sur lui. Sur lui, c'est pas très efficace. Donc il a pas d'attaque glace, en vrai, ça va. Je voulais faire lame de rock en vrai. Lame de rock, c'est fine. Ça, ça me fera pas trop de dégâts, non. Dégâts neutres.
Ok, mais on fait un deuxième et je le tue. Je me soignais avant. Avant de tenter quoi que ce soit, je me soignais. Les gars, je sais pas pourquoi je sens un carnage dans ce 8ème badge. Je sens un putain de carnage dans ce 8ème badge. Après, si j'arrive à faire. En fait, si j'arrive à setup mon Kunio bidon sur mon guerrier aigle, il y a un monde. Il y a un monde où vraiment. Ils stompent les dresseurs. Je vais me soigner. On l'espère tous ce carnage. Comment ça, vous l'espérez tous, mon de salopard? Donc voilà. Herbe. Ouais là. Ah merde, faut que je batte l'autre aussi. Dégoûté. Ok, magie rêve. Magie rêve. Ça va, magie rêve, je crois. La fin d'opulence depuis la mort de Magnézone régale. Ça régale vraiment pas. Hein. Y'a personne qui est régalé là actuellement. Hein. Oh frère. Lance du feu sur le Pokémon, il va augmenter son attaque speed. Si j'augmente son attaque SP, c'est la merde. Après, avec Papillodance, j'augmente moi mon attaque SP, ma défense SP et ma vitesse. Donc là, sa danse du feu va me faire moins mal. Donc il est pas censé me tuer avec une danse du feu. Il a lavabo, évidemment! Évidemment! Et là, il me tue potentiellement. Putain, mais c'est quoi cette merde? Ah, il a augmenté son attaque SP, il a en plus 2 attaques SP, évidemment! Bah oui, tout est logique. Il est démon, frère. J'ai rien d'efficace contre les spectres. J'ai envoyé Forever. Pour l'instant, Viridium c'est flop sur flop. Hein. Après, c'est qu'il est en plus de attaque SP là, même si c'est pas très efficace. Mais j'ai c'est un problème qui tape fort. Faut que je le tue fast. Faut que je le tue vraiment, vraiment fast. Il m'en faudra deux, je pense, d'âme de rock. Ouais. Et là, il faut que je le tue direct. Le problème, c'est que ça a 20% de chance de rater. Je suis obligé de le flip. Pas que je peux faire plonger, je suis plus rapide que lui. Je peux faire plonger, je suis plus rapide que lui, me tue pas. Et j'ai 100% de chance de toucher la plongée, donc ça va. Là, il est mort, non? Mais je suis trop con, c'est vrai qu'il a lavabo! Je suis trop con! J'ai oublié! Non! Je suis trop con! Je suis trop con! Ça, mon problème, c'est que je suis trop con, frère! Putain de merde! Ah, est-ce que je suis plus rapide que Magie Rêve? Non, oui, je suis plus rapide que Magie Rêve normalement. Psycho, je suis plus rapide que lui. Et ça va. Oh, Schweinter! Oh, Schweinter, là c'est my bad. Là vraiment, mon cerveau il a déconné. Putain, j'avais oublié le lavabo d'un coup alors que juste avant j'étais en droit. Putain, catastrophique, il a le lavabo. Putain, je suis trop con. Oh, sa mère! Bon, plus de cache à croc. C'est bizarre ça alors que l'âme de rock 100% de chance de kill. En fait le truc c'est que l'âme de rock c'est aussi 80% de chance de toucher. C'était ça aussi le risque. Alors que lavabo c'était, enfin plongée c'était 100% de chance de hit. Ah, je suis trop con. J'ai pas voulu jouer les 20% de chance de louper le coup. Parce que 20% de chance c'est quand même énorme. Et finalement je me fais quand même baiser parce que parce qu'il avait lavabo quoi. Putain le con. Choc numéro combien de ce stream du jour hein? Je sais pas, il y en a eu beaucoup de chocs aujourd'hui, hein, c'est vrai. Hein. Oh merde, je suis sous danse fleur devant un roi tiflamme. Oh sa mère. Oh no. Ça va, il me fait vent point. Les combats, non? Roi tiflamme. Les feux combats, non? Ils ont vraiment déconné sur le type feu combat, je trouve. Ils en ont mis beaucoup trop, des starters feu combat. Il y a Brazegali, il y a le singe, il y a tout. Attends, mais quoi? Stop là? Attends, mais. Bro, stop, bro. I'm stuck. Laissez-moi aller me soigner vite fait. Tiens.
C'est moi le fun. Oh, bonjour. Merci. Et surtout, je dois aller ranger ce Karchakrok pour prendre un autre Pokémon. Prendre le Kabutops, hein. Le Kabutops, c'est une tour pour revenir, hein. Ah non, mais j'ai mon... ouais, j'ai le Dusk, c'est vrai. J'ai encore le Dusk, ça va. C'est encore en front lui, mais pour l'instant Viridium c'est flop sur flop, hein. Deux combats, deux flops pour l'instant. Un peu ridicule. Ouais, c'est, je peux pas passer comme ça. Ça me crée un chemin vers le bas en fait. Même tout à l'heure qui marchait. Là c'est bon. Ok, on doit faire les deux. Monsieur Mime, Pokémon de type Fée et Psy. Ou acier super efficace. Ténèbres super efficace. Spectre super efficace. Poison super efficace. Tout ce que je n'ai pas. C'est nickel. On va essayer de se setup un peu avec Papillodance. Magnifique. Et merci à toi Mister Kev pour ton deuxième mois d'abonnement. C'est que ça augmente que mon surf. C'est pas non plus exceptionnel le Papillodance là. C'est pas une attaque stable, c'est pas une attaque de fou. Bon, je pense qu'à plus 4, normalement le surf devrait faire effet. Après il peut pas me toucher, donc pourquoi ne pas en abuser? Tant qu'il peut pas me toucher, autant en abuser, hein. Ouais. On passe à plus 6, GG, 6 surf, et voilà. Évidemment il va y avoir un Pokémon avec Lavabo qui va arriver en face de moi, genre le Sun. Ninja. Oh non. Attends. C'est attaque vol en même temps ça. Et quoi? C'est une attaque vol en même temps, abuse! C'est combat vol normalement. Comment? Attends. J'ai failli me faire one shot par Ninja. Sa mère. Mais Rapace, je suis d'accord, c'est des gars fois 4, etc. On sait bien, mais... Ninja. Genre, rendez-vous compte. Mais Viridium, ça pue sa mère. Viridium, ça pue sa mère. Je suis en plus 6 attaque special one shot par Raichu. Je suis en plus 6. Non, on va le faire foutre. C'est quoi ce Pokémon de merde? Pokémon est vraiment turbo guess, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Plus 6 attaques feu, plus 6 défense feu, plus 6 speed. Galère quand même. Ça va, heureusement ça c'est une attaque feu qui me fait. Le Mewtwo sous Papillodance, oh là là, imagine juste, hein. Le Mewtwo sous Papillodance, le monstre que ça aurait été. Le monstre que ça aurait été, vraiment, hein. Je sais que j'ai pas le bonus de stab, mais quand même. Plus 6, c'est 300% de plus sur le surf, tu te rends compte? 300%. C'est comme si je faisais 3 surfs à la suite, là. J'ai très peur d'un mec qui se set up, hein. Donner un petit chemin vers le bas. Je
Le Karchal à team. Ouais, t'inquiète, il arrive le Karchal. Hein. Patiente, tranquillement. Je n'ai même pas une attaque. Une attaque plante sur mon Viridium non plus. Hein. Ok. Ah mais j'en ai eu des Pokémon Pokémon légendaire Gaze, mais franchement je pense que j'ai jamais eu un Pokémon légendaire où je me suis dit ça pue vraiment la merde à ce point là. C'est vraiment rare hein, que je me dise qu'un Pokémon légendaire est aussi nul. Je prends les forces de Viridium. Enfin, le truc c'est que il est physique mon Viridium donc j'ai rien d'autre à lui apprendre, c'est surtout ça le gros problème. Échoué. Si j'avais d'autres c'était vraiment bien, je lui aurais retiré force, mais là j'ai pas. Sympa, Chirizu, il m'en faudra combien? Il me faut 3 des forces! Attends, il va augmenter quoi mon attaque? Il va augmenter mon attaque SP. Faut faire surf alors. Non, non, au niveau potion, on est bien. Au niveau potion, on est vraiment bien. On a des guérisons, on a des hyper potions, on a tout vraiment. Supplie. Arrête de galérer face à un Pachirizu en tant que Pokémon légendaire. Ça devient gênant là. Je vais envoyer le Goat, je vais envoyer Arcane. Arcane m'a pas trop déçu depuis le début là. Franchement Arcane il est bon. Flying Press, attaque combat vol, ça va. Son attaque. Corayon, roche ou est-ce que j'ai une attaque plante? Roche ou pas vraiment ce qu'il faut pour le tuer. Par contre avec Celebi j'ai largement de quoi faire. Je vais lui faire l'attaque Torsfleur et au revoir. Le Manizone il est mort. Il est tombé au combat malheureusement. Alors soignons-nous. Je voulais tester un truc. Je voulais essayer de setup le Guerriaigle. Parce que Guerriaigle peut vraiment être ce Pokémon clutch. S'il arrive à faire un Cogno Bidon, derrière il peut vraiment stomp la suite en faisant que des forces en boucle. Parce qu'avec Cogno Bidon il passe à plus 6 attaques. Il fait force. Ce qui fait quand même qu'il fait quand même 120 de dégâts sur son attaque. 120 ou à 4 en réalité, tu arrives à 480, je vous jure que le Greg peut être ce gars. Je vous jure qu'il peut être ce gars. Oep, c'est ton moment. Faut juste pas qu'il prenne plus de la moitié de ses PV sur la première attaque, c'est tout. Salut à toi Anubia. Comment tu vas le frérot, ça va très bien. C'est lent Greg. Ah ouais, c'est vraiment lent, c'est ouf. Non non ça va. Barbicha c'est fine. Il est plus rapide que lui, ça va. Après, on se soigne et c'est bon. Hein. Ah. Ok, ça va. Il est setup. Il est setup, la team.
OP setup plus 6 attaques. Tu mets une force là. Force non, il one shot. Il est censé one shot quand même. Ok, ok, il est ce gars, ok. Tarinorme. Tarinorme, c'est quel type déjà? Tarinorme. Je crois que c'est roche. Torche ou sol? C'est roche acier. Roche acier, point feu, c'est neutre. Est-ce que je peux one shot avec point feu? Oh merde. Oh merde. Ok, ok. On tank? On tank la team? Y'a rien? Il est ce gars, il est ce gars, les gars. Moins 2 déjà pour Guerrier Aigle. Le setup est totalement dingue. Igolta électrique. Après, il est rapide lui. Enfin, c'est qu'il est électrique. C'est chiant. Igolta électrique normal. La vitesse combien? Combien de vitesse? Il a 109 de vitesse. Donc, il est forcément plus rapide que moi. Il me fait un champ antique. Heureusement, il fait pas une attaque électrique. C'est bien. Le OEP est tellement clutch. La team, le OEP est tellement clutch. On fait force. Ça va, non? Ça va? Ça va? Oui? Il est trop trop ce gars. Grolem, je suis plus rapide que Grolem. Oh merde, j'ai rien. Oh merde. Oh merde. Non, il va falloir que je sois. Tant pis. On va pas tenter la folie ici. Il fait rebond. Attaque vol, le problème c'est que c'est chiant. T'es obligé de. D'essayer de taper quand même hein. On va paralyser. J'aimerais faire une attaque haut. Je vais envoyer mon Duskrow faire surf, tant pis. Bon, OEP a fait son taf. Il a tué 3 Pokémon tout seul. Franchement, grand respect à lui. On peut l'applaudir, OEP et ce gars. OEP est vraiment ce gars. Hein. On swap, on fait surf. Normalement, il est mort, c'est x4. En plus, c'est une attaque stable de Hyporoi. C'est parfait. Nickel. Scarigno, Scarigno ça va. Oh méga Scarigno par contre. Oh méga Scarigno niveau 83. Après pied brûleur c'est x4 non? Ah non c'est x2. Part au point. Part au point c'est une attaque quoi combat? Lame d'air x4. Ah, il est insecte. Il est insecte quoi? S'il est insecte, c'est pas x4, c'est x2. Ah, il est combat aussi, merde! C'est vrai qu'il est combat aussi, j'aurais dû faire lame d'air, t'as raison. Il a évité l'attaque, le goat. Il y a lame d'air, c'est bon. Ah ouais, bien vu. Ah, c'est le méga Scarigno, hein. Beaucoup, beaucoup d'attaques. D'où les dégâts qu'il m'a mis avec le marteau point. Ampiflore. Ampiflore, GG's. GG's, que ce soit pied brûleur ou lame d'air, les deux marchent. Il avait quand même un Pokémon niveau 83 hein. La ligue ça va être niveau combien? Si là c'est déjà des Pokémon niveau 80 enfin, s'il y a déjà des Pokémon niveau 80 là maintenant. Ok on n'a pas perdu de Pokémon sur cette arène, c'est bien. C'était chaud quand même, on aurait pu en perdre. Mais on a réussi à prendre notre checkpoint ici. 8ème badge, c'est parti. C'était prescience, je m'en fous un peu. Ah non c'est laser glace. Le démon. Oh le flow. T'as perdu Karcha dans cette arène. Ah oui c'est vrai que j'ai perdu Karcha. Ah oui merde. Bon j'ai eu une perte dans cette arène.
Maintenant que j'ai les 8 badges, tu vas me dire quoi? Chef, tu remets, ce n'est jamais une mauvaise chose de vouloir vérifier ce qu'on vaut. Le point dresseur, la voie royale, c'est bien sûr avec Pokémon. Évidemment. C'est bien ça, tu as tous les badges, maintenant il ne te reste plus que ça à aller faire, la ligue, oui c'est ça. Écoute mon petit, t'as reçu ce que tu veux, tant que tes Pokémon croient en toi, oui c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, ouais, allez. Donc direction la ligue. Direction aussi le centre Pokémon pour se soigner. Exactement, c'est juste que Hipporoi est plus fort que Karchakrok, c'est tout. C'est réel. Allez, c'est parti! Plus que deux choses à faire. La route victoire, la ligue, et on aura plus ou moins terminé le jeu. Il y aura quelques trucs à les capturer en endgame et tout, mais dans l'ensemble, on aura fait ce qu'on avait à faire. Route 21, et après route victoire. Deux nouvelles zones, deux potentiels nouveaux titulaires, ça veut dire. Est-ce que je vais pêcher? C'est quoi je vais pêcher? Je vais pêcher sur la route 20 là. Une dinguerie, je t'en supplie. Ouais, ça évolue, hein? Ça évolue niveau combien d'ailleurs, la bébé? Non, c'était Flore, enfin c'était Floette qui évoluait en Lagron. Et Flabébé, je sais pas. Ok. Et ça, ce sera Duskrow numéro 7. Le prochain niveau, très bien. Bon, Duskrow ne nous déçoit pas. C'est que maintenant, même si je vois, imaginons, s'il évolue en Mewtwo, j'ai le seum, imagine, parce que je sais qu'il va révoluer derrière. Ça me rend très malheureux. C'est Floette, oui, mais Floette évolue, mais Flabébé, non. C'est pas le même Pokémon. Que Zerator est sur LoL avant la révélation des jeux. Comment ça? Ah mais c'est parce qu'il y a le challenge. Ça commence à 18h. Enfin ça commence à 18h. Par contre pourquoi commencer aussitôt? Il y aura même pas encore la mission. Alors Duskrow. Pour l'instant Duskrow c'est meh. Tu vois, il y a des évolutions, il y a des Pokémon qui sont ok mais pas non plus ouf. Pour le challenge, faut forcément avoir le Game Pass. Non, pas forcément. T'es pas obligé d'avoir le Game Pass. Je te montrerai après comment ça marche. Vous êtes clairement pas obligé d'avoir le Game Pass. Vous avez juste à rejoindre la guilde. Donc rejoignez la guilde par pitié. Ouais, ça évolue encore ça, non? Et ça, ça évolue encore. C'est sûr. Mais ce Mesmerella, ça évolue encore. Niveau 41 en sidéré là. Ok. Donc encore un niveau. On y va. Allez, Duskrow. Ah, dis pas ça, Jenamore, t'inquiète. Tu es le goat. Tu vas ramener 20 000 points à la guilde. Et on va être premier du challenge. Ouais, il réévolue encore, hein, le petit Ranidur. Donc, non, dans un niveau encore, je pense. Allez, hein. La boucle, hein. On y va, hein. Dusk, c'est parti, hein. Oh, Octiri, putain! C'est nul, et ça évolue plus, évidemment! C'est quoi son talent? On va regarder son talent. C'est Gaze.
encore un type haut, je te jure, j'en peux plus d'avoir des Pokémon de type haut. Il y a que ça dans ce jeu, hein. Plus les capacités de feu en cas de besoin. Mais ouais, c'est super, mais je m'en fous. Après, la nature qui est ok, il a plus 10% d'attaque spé. 10% de défense, par contre. Et je s'il peut... Attends, s'il apprend l'attaque roue de feu, enfin danse de feu, ça peut être fine. Hein. Mais bon. Apprends pas danse du feu. GG. FF. C'est lui le goat, hein. Le reste ne sont que ses sous-fifres arcanes, hein. Après, à tout moment, il y a un wipe sur la ligue et on va devoir entraîner nos autres Pokémon. Et là, là ça va être une catastrophe. On va pas faire tous les dresseurs de la zone, hein. Je vous promets que là, c'est trop risqué les fights pour que je fasse tous les dresseurs de la zone. Un Pokémon par route, bah je viens de capturer le Flabébé là, qui a évolué. Ah, c'est chiant. C'est très chiant. Ça va, c'est pas trop chiant. Je suis à genoux. Enfin j'en touche un. Et oui Tesca, tu peux voir ici toute la malveillance de monsieur Bmax. La malveillance d'un homme. Arrête d'éviter mon attaque. Il a fait un seul Lilliput et j'arrive pas à le toucher 4 fois sur 5. Ah c'est chiant. Clémentine ça va être chiant. Je vais envoyer. C'est qui a une attaque électrique? C'est toi hein? C'est Web qui a une attaque électrique. Non Web il a vraiment un bon Moufoule, j'aime bien. C'est chiant. L'attaque de type plante, c'est une attaque qui... Oh, ah mais frère, c'est une attaque qui ajoute le type plante à un Pokémon adverse. Je viens de win une game, ça compte pour le Game Pass. Bah normalement oui, mais en fait le challenge commence à 18h, donc Deathcrow, tu as été un peu trop tôt là. Là, à partir de maintenant, si tu gagnes des games, si tu t'inscris dans la guild, ça va compter pour le challenge. Je viens à 18h01, mais je sais pas si ça compte maintenant, hein. Ça m'étonnerait que ça compte dès maintenant. Oh. Ok, les quêtes viennent de sortir, je vous montrerai les quêtes après alors. Il m'a brûlé 3 fois sur 4. Ce qui est pas mal. C'est un beau ratio de brûlure quand même. Hein. Bon, par contre, ça va pas me faire grand chose. Pardon? Ah, mais c'est vrai que je suis vol normal. Ouais, donc Vampipoint, c'est une attaque combat.
C'est combat. Tu fais une attaque combat sur qui, il fera 0. Okay. Zéro, zéro, faut le dire vite quand même. Hein. Oh non. Oh non. Oh non. Ah la Lilliput. Coaster, ça me va par contre. Ok, on va pouvoir les soigner. Et ça c'est qu'un seul dresseur hein. Le temps qu'on a eu pour un seul dresseur, on a mis 10 minutes pour un seul dresseur. C'est la preuve qu'on va commencer à galérer vraiment vraiment là. Wipe en front. Wipe objectif. Wipe les teams en boucle. Après, ça me fait un peu peur quand même de mettre Wipe en vrai. Non, je vais pas mettre Wipe en fait. Je vais mettre Celebi en premier. Je pense que Celebi c'est celui qui est le plus tanky, on va dire. Merde. Hein. Combat double. Tiens, aussi Fulguris. Comment? Tiens, aussi Fulguris. Il pleut. Fulguris c'est vol élec, non? Ouais c'est ça, c'est vol élec, con. C'est même rajouter le petit feu à ce mec là, faut juste que j'arrive à le tirer. Attends mais c'est au niveau 80. Il me fait une attaque fée. Oh sa mère. Je suis passé au niveau hein. Je jure que je suis passé au niveau là hein. Oh la mâchouille. Oh sa mère. Oh putain. Je suis terrifié. J'ai pas la peau sèche sur un Pokémon pour pouvoir abuser de surf. Rakan, quoi que j'ai envoyé ça faire cascade hein. J'ai cascade, j'ai tempête verte. Ouais cascade ou tempête verte, ah ouais de vrai Rakan ça va. Chaque combat est une vraie galère. Hein. Ok, donc si tu veux, ça me fait 0 dégâts sur qui que ce soit, ça me fait pas de dégâts, c'est Osef. C'est que le moment de son attaque spé, ça c'est chiant. On arrive à le tuer lui. Ça serait bien de le tuer lui avant quand même. Je vais faire l'hymne au canon. Les roches ténèbres, je suis con. Magnifique. Magnifique, Lagron. Tu es ce goat. Tu es trop ce goat. Là, tu me casses un peu les pieds, là. X4 directement dans sa gueule, ça baisse un petit peu l'attaque, mais c'est pas grave vu que je suis un Pokémon plus physique avec l'Agron. Je peux l'utiliser, c'est ok.
Il est en train de se reposer actuellement, Magnezone. J'ai voulu XP les autres Pokémon. C'est pour ça qu'il est pas dans la team actuellement. Il est en train d'XP les autres Pokémon de la team. Vu qu'il était déjà niveau 100, tu vois, ça sert à rien de l'XP plus que ça. Pas full jeu, ça a bugué la team. Il faut confondre, enfin il faut pas confondre bug et fraude. Juste, il y a eu des petits bugs dans le jeu qui font que. Le Karchakrok c'est grave. Le Karchakrok c'est un peu grave j'avoue. Le Karchakrok j'ai un peu trollé. Latias. Ah rien, Latias c'est jamais rien. J'ai pas grand chose pour Latias hein. Attaque vol à la limite mais bon. Et la fatale foot dans ma gueule hein. Là, ça c'est dangereux. Ça c'est une attaque vol qui me tombe après dessus. Très très dangereux. Surtout pas que je mette Viridium devant. En fait si je suis en l'air, ça me touche pas non? Après ça touche en combien de tours? Ok c'est bon ça a évité les deux. Bah parfait. C'est que là faut que je tue en un tour. Et après prochain tour ça va arriver normalement. Là normalement il y a le Carnage qui arrive. Je m'envole. Voilà, double esquive. Ah. Ah. Ouais, ça fait très mal ça. Ça fait très mal. Là. Le x4 insecte, j'ai pas envie de le subir. Hein. Ouais, normalement ça va. Sur le, sur le type vol, non, ça fait beaucoup moins de dégâts. Il baisse mon attaque speed, c'est pas grave, je suis full physique sur lui. J'aurais pu faire un cogno bidon là en vrai. Mais heureusement que c'est un vieux Lamantine aussi clairement. Sinon j'étais potentiellement finito. La mouton. Oh il m'en faudra deux d'efforts je pense. Ah. Il m'a pété les couilles. Marteau point, ça me fait pas trop mal normalement, c'est neutre. 70, c'est fine. Va falloir que je sois pour éviter de mourir du requiem. J'ai pas envie de perdre mon guerrier comme ça. Le seul problème c'est que si imaginons là le Pokémon il a genre piège ou genre un truc bizarre, ça peut être chiant. Mais sinon, non ça va. On sait qu'il peut. Une attaque de type vol plutôt. L'envoyer lui pour faire flying press. En plus, Pokémon plante en face de moi, normalement, il y a plus de chance qu'il me tue. Force cachée, attaque normale. Merde, je me suis trompé d'attaque. C'est hello damage. C'est hello les dégâts du surf. En même temps, c'est pas très efficace, donc c'est normal. Par contre, ça, c'est pas zéro. Mais du coup, quand je fais Falling Press et que c'est super efficace parce qu'elle type vol, est-ce que ça prend quand même les dégâts du stab? Question importante, question intéressante. Oh, ouais, pitié. Oh. Y'a aucun Pokémon qui peut apprendre. Oh, bâtard. Mais tous mes Pokémon me détestent. Come on.
Du coup, c'est incroyable le flying press sur Viridium. Ah, c'est vrai que je les ai un peu drogués, c'est vrai. Bon, là-bas, il y a une baie que je ne peux pas récupérer. Car elle est derrière un objet ou derrière un truc où il y a coupe. Je fais la main. Hein ? Il faut que je sorte d'en bas. Je vais chercher l'objet. Ah, si bon, non, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Mais c'est des objets qui me sont retirés quand. Moi, je vais me rajouter des thèmes, ça me retire l'objet, je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Les lunettes sages encore, ouais. Je vais me soigner vite fait. Ça au moins, hop. Petit retour en ville. Là, on n'a pas le droit de perdre un seul Pokémon, là. Parce que ma réserve est vraiment... Elle est remplie. Mais elle est remplie de merde. Elle est remplie de bonnes chiasses, là. Le petit couronne. Oh, c'est là! Ok, on y va. Attends, y'a quoi à gauche? Y'a une nouvelle route ou pas? Bout de 22, je peux capturer aussi, non? Attends, je peux capturer route 22, deux secondes. J'ai capturé route 21, ouais, j'ai capturé le flat bébé qui a évolué en un truc de merde. Route 22, j'ai déjà capturé vraiment? Jure. Quoi comme route? Ah, oh, fais chier. Route 22. En effet, j'ai capturé un sans coquille qui est devenu lagron. Oui, ils sont niveau 11. Ah oh, oui, d'accord, ouais. Ok, je vois. Oui, c'est vraiment les premières zones, ça. Attends, le fouinard est en train de me bosser avec survie insecte, là. Bon, je vais pas perdre le temps pour faire des Pokémon niveau 11, hein. Voilà, hop, au revoir. Ici c'est Osef. Donc ici ça a rien de venir là. Attends, je vois, il y a un petit truc avec surf là-bas, non? Voilà. Oh, cette zone de fou. Il y a peut-être des trucs ici, hein. Il y a une grotte, hein. C'est quoi cette grotte de con? Objet, la chambre néant, c'est quoi? Et lui, du coup, c'est un dresseur qui va avoir des Pokémon de haut niveau. Ah non, ça va, 43, ça va. Pas besoin de focus, 43. Il le tue en boucle, c'est GG's. Mais ça, c'est après la ligue, j'imagine. Les grottes comme ça, je crois que c'est des trucs où il y a des légendaires après, c'est ça? Ouais, donc c'est ça pour l'instant. En fait. Attends, ok. Elle aussi, elle a que des Pokémon de merde normalement. Voilà. Alors, pas de temps sur eux. Là, il va falloir que je me focus là. Je le fais en full speed et que je pousse tout comme il faut pas. Il faut que je pousse vers le bas. C'est encore vers le bas. Pas capturer route 21. Mais si j'ai capturé route 21, j'ai capturé le flat bébé. Jure que j'ai capturé route 21. C'était en haut? Non, mais j'ai capturé le flab bébé 100%. Je ne suis pas un tricheur, je vous jure, j'ai capturé le flab bébé. Avant ou après l'arène? Après l'arène. Non? Cette merde. Attends, mais comment je remonte ça là? Non, mais frère. Dusk recette le flat bébé. Ouais, je crois que c'est Dusk. Bon, je suis un peu un tricheur, mais ça va, je suis pas trop un tricheur. C'est vrai que c'est un peu de la triche. Les super bons, c'est juste pour gagner du temps.
Pour éviter qu'on se tape des Pokémon de merde pendant X temps. Bah, c'était Fury, voilà. Chier. Ok, donc, on ici. Putain, du coup, c'est le repousse pour l'instant. On va se barrer de là. Quoi ici, voilà, rien. Route 22, on a dit qu'on a déjà fait. J'ai abattu, et là on va là. Entrée de la route victoire, eh oui. Ah bah attends, mais il y a un dresseur pour l'entrée de la route victoire. Abuse. Ouais. J'ai pas d'attaque combat, c'est chiant. Et je peux pas lui faire l'attaque psycho parce que il ne la subit pas. Il me fait appel attaque. Tu me fais chier toi. Hein. Tu me fais chier mon gars. Hein. Ok. On va envoyer OEP ce setup. On sait que Noctali c'est pas le Pokémon qui fait le plus de dégâts. Donc on a le temps de faire cogner au bidon je pense. Et après d'attaquer. Surtout que l'appel attaque fait pas dégâts. Oula attends, mais je suis descendu très bas en HP là. Oula attends. Tout est calculé. Tout est calculé la team. Et là c'est win. Là c'est force sur force sur force et GG. Heureusement que Noctali n'est pas Voltali hein, parce que là sinon j'étais évidemment dead hein. Donc ça a vraiment pas du tout d'attaque spé. Par contre ça a beaucoup beaucoup de tankiness mais bon. Arkeodong, Arkeodong. Il est fait d'acier ce mec non? Oui. Même pas one shot. Calculé aussi. Pas évident quand même hein. Tout à l'heure là les fights je commence à un peu transpirer là hein. Avec mes 6 petits niveaux d'avance c'est pas grand chose hein. Par contre si lui a l'électacle je suis un peu dans la merde. Oulalalala lame de rock. En vrai c'est super efficace mais c'est pas stab. Moi je pense pas qu'il me one shot avec. Il m'ajoute le type spectre si tu veux. Vraiment que je le tue hein. Ah ouais bien sûr évidemment. Évidemment, le Pokémon est grotesque. Sous cognon bidon, le Pokémon est grotesque. Ah, par contre, là j'ai rien. Là, j'ai rien. Là, c'est le moment bizarre. Je vais envoyer un Pokémon haut pour qu'il fasse cascade et qu'il arrache le tien dessus. Tyranocif par contre c'est incroyable hein. Tyranocif avec le talent de comment dire, avec le talent de Mega Kangourex c'est vraiment bien hein. C'est qu'il est plus rapide que moi. Après il me tue pas normalement. Il m'a fait 120 tout à l'heure avec les deux coups. Sauf s'il me crit. Oh sa mère. Falloir le tempête verte après lui. Il est déjà 18h20. Oh sa mère, il est tard hein. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps de faire la ligue avant 20h là? Le endgame du jeu c'est pas le plus important en réalité. Ça on pourra le faire un autre jour, c'est pas non plus très grave. Mais j'avoue qu'en 1h20 là, en 1h40, ça me semble compliqué quand même. En fait, je me rends pas compte à quel point la route victoire est longue. Si la route victoire est vraiment longue, c'est potentiellement FF. Après, je vais éviter les dresseurs. Hein. Je vais essayer de les dodge et tout. Je vais essayer d'éviter un maximum de dresseurs pour éviter de me faire baiser. Et comme ça, on speedrun un peu la route victoire. On va pas faire tous les dresseurs.
Sinon c'est FF. Ah mais en full speedrun c'est sûr que oui. En full speedrun j'ai aucun doute sur le fait que c'est bon. Mais on va pas faire full speedrun. Y'a plus beaucoup de potions, j'ai plein de guérison encore je crois. Là j'ai racheté. Flo de la route victoire. La route victoire, c'est parti. Une capture possible et quelques dresseurs sur le chemin. Ok, capture directe. Lilia, ça révolue. Je crois que c'est chiant à capturer là. J'ai plus beaucoup d'hyperboles aussi, hein, c'est vrai. Après, c'est l'une de mes dernières captures du jeu, voire potentiellement même la dernière capture du jeu. Et après, le reste, ce sera sur Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune pour les noms qui restent. Merde. Je voulais changer de Pokémon pour l'affaiblir. Bon, tant pis. Ouais, me voit d'ici. Ok, petite erreur, Lilia ne rentrera pas dans l'équipe. J'espère juste que l'évolution était gaze. Sinon, sinon je vais avoir le seum. Donc ça, c'est le Deoxys Tank. 84. 84, cousin ? Comment ça ? Attends mais c'est super élevé 84 là pour le premier dresseur de la route victoire. Oh sa mère. Oh sa mère. Brûle-le, je t'en supplie. Oh, le problème, c'est que là, il est en plus 3 attaque spé, plus 3 défense spé. Ouh, aïe, aïe. Je choisis des attaques physiques, en fait. Ok, je fais plus 1 attaque spé, c'est pas mal. Je le tank, incroyable. Il en faudra un deuxième, je pense. Enfin, un troisième pour le tuer. J'ai pas eu le buff attaque spé ici malheureusement. Il me fait 110 de dégâts s'il n'y a pas de crit je le tue. Le poison qui a failli me tuer aussi. J'espère juste qu'il a pas genre un truc quand je le tue il explose sinon bah j'ai perdu. Enfin sinon mon arcane est mort. Ok ça va. Guérison après. Ouais. À la tech c'est de changer instant de Pokémon et d'envoyer directement ouais pour lui mettre un coup électrique pour lui faire un éclair croix. C'est terrifiant, quand les gens commencent à setup c'est vraiment terrifiant. Non on joue one shot avec ça. Attaque x4 c'est au revoir. Pijaku, ok, Pijaku ça va. Nickel. Bon, premier dresseur passé, ça va. Malheureusement, il n'y aura pas de capture dans cette route victoire. Encore 20 guérisons. Ouais, je pense que ça devrait aller. J'ai vraiment envie de mettre OEP en premier. Hein.
Parce qu'il est vraiment ce gars depuis le début là. On va commencer à mettre des max repousses aussi. Là. Ça ne sert plus à rien de rencontrer des Pokémon sauvages. On y va. Un petit raccourci qui peut m'être donné. La bonne route victoire de Golemon là. Allez, pas me laisser passer hein. Faudrait que je fasse Éclatroc pour le passer. J'ai la flemme de mettre Éclatroc sur le même Pokémon. Je suis obligé de passer par là. Parce que ça m'oblige à mettre une attaque de merde sur un de mes Pokémon, donc c'est chiant. Un Pokémon qui a un stab. Oh non, Volélec. Oh non, Volélec face à mon Pokémon et le vol. Putain. Putain. Après, il peut pas me toucher avec une attaque Elec ici. Sur lui, il peut pas me toucher, donc je vais envoyer Rakan 6. Moiteur qui l'empêche d'exploser. Phénoménal. Il évite tout. Il évite tout. Le GOAT. Le changement de Pokémon sur un Pokémon qui allait faire destruction. C'est clutch, hein. Il se met des dégâts lui-même. Comme 80. Ouais, mais quand même 100 quasiment de dégâts. Il y a qu'un seul légendaire dans la team là, Stream 31. Et ouais. Rappelons que. Que l'autre c'est un Pokémon fabuleux, hein. Viridium est un légendaire et Celebi est un fabuleux. Dégâts sans su, 0 damage, merci. Et là on setup avec, avec le truc de feu là. Avec la danse du feu. On le one shot. Tiens. Et on fait plus 1 attaque speed. C'est tout ce que je te demande. Alors, le point c'est qu'il a fait plus un défense P lui. C'est relou. Ok, je one shot quand même. Je suis étonné des dégâts de la flamme manoir. Vraiment. Vraiment totalement étonné des dégâts qu'il fait. C'est pas grave. C'est le GOAT. C'est le GOAT. Qui a mal parlé de ce flamme noir? Qui a osé? Ah. Il m'a one shot pas, non. On m'a pas fait midlife tout à l'heure, sauf sim crit. Arrête d'être terrifié par contre. Que je te demande depuis tout à l'heure. Fantastique. On va renvoyer ouais pour le mettre le change éclair. Enfin, le charge éclair là. C'est bon. Le éclair croix, bref. L'attaque électrique. Direct toxique, c'est pas très efficace, je crois, sans moi. C'est neutre. Ouais, c'est neutre. Au revoir, monsieur Léviator. J'ai le seum, je pensais qu'il allait faire tout droit. Il allait faire genre en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Il fait quoi? En haut, en bas, à droite. Connard. Le problème c'est que lui il est rush assis, donc c'est un peu chiant pour moi. Attends, il est rush assis ou pas Galeking? Il est juste assis à chaque fois, je confonds. Mais il est bien rush assis.
Je vais envoyer un Pokémon faire une attaque haut quand même. Parce que si j'envoie mon Pokémon feu, l'attaque sera neutre. Polyroche, ça augmente quoi comme stats? Son attaque SP, sa défense SP, ça va, je l'attaque en normal, donc ça va. Plus que j'attaque en haut physique. Après, c'est Galekin, ça a beaucoup de défense, donc je le one-shotterai pas, c'est sûr. Il re-augmente son attaque SP, sa défense SP. Abuse. Il a rien compris à son Pokémon, ce mec. Mais la ligue, ça risque d'être du très haut niveau. Hein. Ça risque d'être haut niveau. Attends, faut tempête verte direct là. Hein. Oui. Magnifique. Lagron contre Lagron, le meilleur Lagron a gagné, évidemment. Arcanin, cascade, pas mal hein. Pas mal, j'ai eu de la chance là sur le Pokémon qu'il a sorti. Après c'est pas encore terminé parce que j'avoue qu'il vient de passer un Danslam plus 2. Si jamais ça commence à sortir des attaques, imaginons il y a une attaque lame feuille ou quoi. Parce que les attaques sont random et qui me tue, j'aurai un peu le seum. Donc bon. Ce serait un peu chiant. Machouille. Machouille ça me tue pas je pense. Non ça me one shot jamais. Ça me fait mal mais ça me one shot pas. On rappelle qu'on essaye d'éviter au maximum les dresseurs. Et se faire baiser bêtement. Oh le trap. Oh le trap de baiser qu'elle vient de me mettre. Un solo dos. Ok là c'est de quoi me setup là. Parfait. Un solo dos. Je fais cogner au bidon contre un solo dos et là je suis bien. Oh la pression que je prends là dans cette route victoire c'est terrible. Hein. C'est terrifiant. Tonnerre, je jure. Ouh. Ouais bon. Heureusement que c'est un solo d'eau quoi, mais bon. Je vous le dis hein, il faut se méfier de tout le monde dans ce jeu hein. Tu penses pouvoir te setup face à un solo d'eau. Il s'avère que pas spécialement. Oh, je le one shot lui. Mais il peut taper. Putain, il m'a crit le chien. Oh, je voulais prendre le risque. J'aurais pas dû prendre le risque. Erreur. Ah, fait chier. Ouais, est tombé. Ouais, est tombé au combat. Il peut pas me toucher avec une attaque électrique lui. Je suis avec une attaque fée. Bon. Je ne tue jamais. Bon, moins 1 dans notre team. Voilà qu'on arrive à trouver un backup. Une attaque vol ou quoi? Pas grand chose, une attaque. Non, rien. J'ai rien de bien. Surtout que là, s'il me fait une attaque plante, je suis mort. Donc. Go pas jouer avec le feu. C'est fine. Tape dans le vent avec revenant, boum, juste l'attaque vol. Des gros dégâts instant, one shot. Viridium vole direct dans sa gueule hein. Merci, au revoir. Ah. Il est plus rapide que moi. Ah non, aussi. Enfin, il est plus rapide que moi, je m'attendais à ce que ça me fasse des dégâts. Mais heureusement l'attaque ne me fait pas de dégâts. C'est parfait. Et flamme bleue, je peux pas me toucher avec la flamme bleue. Au revoir. En fait non, je prends des crits qui sortent de nulle part. Voilà, je le dis, les crits n'ont aucun sens.
C'est que ça, c'était un rayon signal là, j'aurais vraiment souffert. Après, en vrai, pour qu'un Pokémon one shot Celebi malgré une attaque insecte, il faut quand même qu'il fasse super mal le Pokémon. Battu tout à l'heure. Oh, je sors direct là? J'ai fini la route? Non! Putain, j'ai pas le temps de bouger! Un peu dangereux tout en cas faire quand même. Parce que s'il a une grosse attaque spectre. Après, c'est un tank. C'est pas un Pokémon qui va faire très mal, mais c'est un tank. Revenant. Bon. C'est les couilles, j'ai raté le vol. La mission éviter les dresseurs se passe plutôt bien. Hein. Palmarès, zéro dresseur évité. C'est trop grave. C'est trop grave. Non, on peut dire que ça se passe, hein. Finalement, le Magnézo n'était pas safe du tout, hein. Même si là, imaginons, il serait resté en vie. Il était clairement pas safe, hein. Parce que là, avec tous les Pokémon qui est en face, franchement... Jail est mort face à des Pokémon qui avaient 30 niveaux de moins. Alors face à des Pokémon qui avaient 15 niveaux de moins... Ça aurait été très compliqué. Si... Vol. Myria Vague, qui est une attaque sol, il me semble. Je crois que c'est une attaque de Zygarde. Merde, je veux pas d'attaque, je veux pas faire ça. Ah ouf. Il en faudra deux au moins. Ok. Un combat de remporté. Pas une maison, je peux me soigner, pitié. Un dresseur aérien là? Non, pas. Hmm. C'est lui le secret de Carrie. Ouais, pour l'instant, il est vraiment ce gars. Peut-être que je me soigne. Hein. Elle, on va l'éviter. Elle, on va l'éviter, c'est bon. C'est lui, c'est forcément, c'est pas mauvais du tout. Hein. Ok. Voilà. Un truc en bas, mais il me faut éclate rock. Donc un peu la flemme. J'arrive à. Trop rapidement! Il a vraiment fait une feinte, il a fait un gauche-droite instant. Et j'ai même pas couru. Oh, je me suis trompé d'attaque en plus, FF. Oh, FF. Je vais lui faire le pied brûleur. Heureusement qu'il a toutes ses attaques, lui. Ah. Je crois que de faire de rater sur 3 de son côté. OMG, le nouveau Goose Die, c'est lui.
Opterix, Aeropterix, j'ai une attaque roche. Est-ce que j'ai un truc qui marche? J'ai rien qui marche, hein. J'avais mon attaque électrique, mais mon Pokémon est mort. J'ai rien. J'ai changé clair ici, mais bon, le problème c'est que c'est pas ouf non plus. Vas-y, autant faire un psycho, hein. C'est quoi l'attaque qu'elle me faire là? Pardon? Quelle était donc cette attaque? Wesh, cousin, c'était quoi? C'était demi-tour! Oh oui! Terrifiant. Oh, j'ai eu très très peur là! Technobuster attaque normale, sauf s'il a un module sur lui, mais non, ça devrait aller. Du pied brûleur et après je swap. Je peux pas jouer contre un Pokémon qui a demi-tour et qui peut potentiellement one-shot. Faut que j'envoie mon Pokémon feu face à Aeropterix. Il va vouloir faire demi-tour. Il est Roche Ball. Ah oui, il est Roche Ball. Ok, ça va là. C'est Roche Ball, c'est fine. C'est fine. Oui, ça va. Lumino Canon, c'est bien. C'est qu'il a forcément des trucs. Il a toujours un truc super efficace contre moi. Hein. Oh, il est là pour me casser les couilles. Hein. Heureusement, encore une fois, qu'Arcane est le côté qui le one shot. Merci, monsieur. Là-bas. Je pense que je suis obligé de le faire ce combat. Ouais, je pense que je suis obligé de le faire ce combat. Aquali Roigada. Bah déjà mon Pokémon feu il va s'arracher de là. Hein, ce sera une bonne chose de fait. Et après on va mettre. On va faire Dansefleur là. De toute façon, qui que ce soit qui tape c'est bien. Et on va envoyer un autre Pokémon plante. Hein. Histoire 2. Ouais, Oep, il t'est arrivé des petites bricoles là. Il y a eu des petits lags là dans le jeu là. Pourtant t'avais vraiment bien bossé hein, franchement t'as été le goat pendant un petit moment mais t'as pris une dinguerie. Ça lag souvent, ouais ça lag un peu beaucoup le jeu. C'est relou les lags. Attends, Canarticho c'est un problème ça aussi. Pas le choix hein. Après Canarticho c'est pas un Pokémon qui fait très mal normalement. Oh il a retiré son Pokémon, jure. On m'envoie un peu la griffe, il est trop smart ce mec. Plaicroix. Plaicroix c'est attaque combat je crois, non? Oula non. Oula non. C'est pas du tout une attaque combat. C'est totalement insecte hein. Ah oui oui. Après je suis plus rapide que lui donc. Non je vais m'efforcer, je le tue. Après je peux soigner mon Celebi. J'ai pas fait Cogno Bidon devant le Zeblitz, j'avais déjà Cogno Bidon contre le Zeblitz. Tu dis femme. J'ai juste essayé de le one shot sauf qu'il était plus rapide que moi, il m'a crit. Bon. Je sais pas rien. Ça va. On tient le coup. Même si il me tue pas. C'est good. Oh, abuse de la confusion aussi. Hein.
C'est bon, frère. Comme je l'ai dit, même si crit, tu me tues pas. Il faut un shop rapidement. Hein. Il faut un shop rapidement pour aller me soigner et pour acheter des trucs de heal. Hein. Ah, ça commence à être la merde. Même si on avance bien, là où il y avait rien, il y avait juste un objet derrière le dresseur, j'imagine, mais bon, on s'en fout un peu. On va pas le jouer. Ok, on peut sortir de là, pitié. Pitié, laissez-moi sortir de là. Tu nous apprends de regarder la vidéo en live. Ouais, je regarde la vidéo en live, t'inquiète. Ok, double esquive. Elle, double esquive aussi. Alors, après, le truc, c'est que je peux passer par là-bas. Je pensais qu'elle était un cran plus haut. Palmarès des esquives de dresseur. N'en a pas esquivé un seul. Enfin, c'est peut-être un, max. Je voulais prendre l'item à droite. Non mais je one shot même pas avec ça. C'est terrifiant. Ça va, par contre c'est gratuit. Soit pied brûleur ou vol. Faire du vol, tiens. Alors cette attaque fait trop mal. Genre, vraiment j'ai l'impression que vol c'est une attaque qui fait deux fois plus de dégâts que toutes les autres attaques. Ce n'est pas normal. Alors qu'en vrai pas du tout hein. Attends, ça fait quoi un flé magique? Ah, ça renvoie les trucs de statue, non? Smogogo, ah, c'est chiant. Là, je suis sous danse fleur, c'est pas ouf. Il faudrait un psycho là. Oh, après, si jamais il relance un danse fleur, c'est bon, hein, c'est win, hein. On va. Pas mal. Ok. Ça pour même pas pouvoir y aller hein. Un fossile mâchoire, j'ai déjà eu ou pas le fossile mâchoire? Ça m'amène où ça? On va pas retourner dans la grotte là. C'est quoi cette autre victoire de Golemon? Ah non, c'est le raccourci, ok. Donc là, c'est pour retourner au start. Ok. Comme on est dans Elden Ring, tu débloques des petits passages secrets, des petits raccourcis. Le level design, hein. Le level design de cette autre victoire, hein, ça bosse, hein. Machin égale Kikléon. Merde, ok. Je peux l'éviter sans aucun problème. Elle, je peux pas l'éviter. Elle, je peux pas l'éviter. Hein. Oh, OMG, je peux l'éviter. Oh non. Oh non, pas toi. Oh non, pas toi. Pitié. Pas encore. Arrête. J'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois. Lisandre a choisi la Team Flair et personne d'autre. Nous sommes dans l'autre camp, dans celui de tous ceux qui n'appartiennent pas à la Team Flair. Et nous ne pouvons pas en conclure qu'il a tort et que nous avons raison. Je me disais alors, si les deux camps ont chacun des choses valides à dire, peut-être qu'un compromis est possible. Alors ma décision est prise. Je ne veux pas me battre uniquement pour le plaisir de gagner, mais pour comprendre ce que tu ressens, ce que ton équipe ressent. Oui, c'est dans cet esprit que je veux livrer un combat contre toi maintenant. Arrête!
Arrête, je n'en peux plus. Qu'elle est là, qu'elle veut se taper contre moi, je sais pas. Laisse-moi tranquille, je t'en supplie, je t'en conjure. Prends le type combat, ok. Combat ça va, c'est pas très fort contre moi. Ah, Patlas, attends, ça me fait 80 dégâts du coup ça. C'est les dégâts du niveau du Pokémon. Après, s'il a pris le type. Ah, dis-moi dès que le match commence. C'est quoi cette attaque? Attends, il vient de s'exploser la gueule tout seul. J'ai de la chatte de pas être là ce moment là. Hein. Non. Rapace. Oh putain sa mère. C'est que j'ai rien qui tanque le rapace là. Je vais envoyer lui. Je vais envoyer lui. Quand je le tanque le rapace, je fais ce combat là et après on regarde le combat de le fight de Guto là. Même si je sais pas trop ce qu'il va jouer, je sais même pas s'il va jouer un son main ou pas. Il va augmenter ses stats. Ok. Raichu est mort. Big game. Magnifique. Magnézone. Oh non. Pas toi. Après tout ce que t'as fait. Oh putain, il a raté la tempête verte. Oh là là, le Dream, il a raté la tempête verte. Oh merci monsieur. Merci monsieur. Oh oui. C'est magnifique. J'en pleure. J'en pleure de joie, il a raté la tempête verte. Parce que Magnézone, tempête verte sur sur Lagron, autant vous dire, le Pokémon est mort. Il y a même pas de doute, le Pokémon est 100% dead. Oh là 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 là. Petit changement évidemment. Hein. On va envoyer Arcane pour s'occuper de ce Magnézone. Terrifiant les dégâts du Pokémon quand même. Comment j'ai pu perdre ce Pokémon Gotesque? J'ai trop le seum. Je mets le combat, enfin le fight, la game de Guto à côté. Corbos, Corbos, Corbos. Corbos qui met une petite sécheresse, merci, ça me va, ça me va, ça me va très bien. Ça me va. Normalement, il y a des chances que je joue one shot en vrai. Hein. Oh là 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 là, mais oui, Arcane! Tu es trop ce goat! N'étions pas prêts pour ce goat? Regardez le lumineux canon, boum! Non mais les gars, réveillez-vous! Le poké est exceptionnel! Eh, soigne-moi par contre, je t'en supplie. Je ne saurais pas pour pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression que nous nous ressemblons. C'est pour ça que je refuse de perdre. Un de nos points communs parmi tant d'autres, je suis vraiment heureux qu'on soit amis. Mais je m'en fous de tes rappels, moi, que je n'ai pas le droit de les utiliser. Je te renouvelle ma promesse d'être une rivale à la hauteur. Une rivale, c'est une personne qui a soif d'affronter de puissants dresseurs. C'est ce qui nous motivera et nous rendra toujours plus forts, Mbuken et moi. Oui, nous établirons un lien qui pourra rivaliser avec celui qui tient à ton équipe. En tous les cas, je suis certaine que tu as tout ce qu'il faut pour affronter la ligue maintenant. Ok, au revoir. La femme à côté des runes, elle soigne. À quelle femme? De toute façon, là, je vais arriver à la zone, là, non? Juste avant le dresseur, non, c'est bon. Hein. Je marche, hein. Je ne cours plus. Je guette la zone, je regarde à gauche, à droite. Là, il me faut casse-brique ou éclate-roc ou je sais pas quoi, je peux pas la voir, c'est pas grave. Celle que t'as voulu esquiver juste en... Ouais, mais je dois me battre contre elle avant, c'est ça? Ouais, mais le problème, c'est que si je dois me battre contre elle avant, c'est relou. Non? Arcane, j'espère que tu me trolles pas. J'espère que tu me trolles pas, Arcane. Si tu me trolles, hein, ferme ma ban. Hein.
Merci à toi. Non mais j'ai plus d'HP en fait. Merci à toi Scaropewar pour ton 13ème mois d'abonnement. Je suis passé devant. Ah mais la meuf avec sa casquette, la scout. Ah merde. Ok je vois. Ok. Ce sera donc pas permanent. En vrai, Iporoa c'est quelqu'un. Iporoa ça tank bien. En vrai, ça fait pas des dégâts de fou, c'est ça le souci. C'est un peu la problématique du poké là. Il a fight tous les dresseurs. Quasiment. Et j'ai 8 badges là. Là, on va vers la ligue. On arrive enfin au bout du jeu. J'ai perdu Guerrier Aigle. J'ai pas une petite tempête verte sur un Pokémon. Le problème c'est que j'ai des tempêtes, mais sur un Pokémon qui sont assez low. Donc je soigne mon Pokémon avant. Il a rien qui peut me faire très mal lui normalement, Staros. Oh, terrifié. J'arrive, finis fight. On regarde la game. Ok. Ils sont en train de s'installer. C'est quoi ça? À l'aide? Ok, la game commence les gars, attendez, je vous mets la game, c'est bon, elle est partie.